Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du rendez-vous de la littérature. Nous allons parler ce soir d'un auteur qui est un peu tombé aux oubliettes, mais qui pourtant a marqué, je crois, certaines générations de Français, à savoir Psicari. L'ouvrage dont nous allons parler ce soir, je ne l'ai pas lu, pour une fois. Donc Jonathan Sturel sera en roue libre. C'est donc une émission hautement surélienne. Mais avant d'en arriver là, comme vous le savez, je dois faire les fameuses annonces habituelles. Alors, si vous avez besoin d'un bon bouquin, n'hésitez pas à aller chez nos amis de la librairie française. Il se situe au 5 rue Auguste Bartholdi, métro La Motte-Piquet-Grenelle ou Duplex. Et voilà, donc ce sont des braves gens, des Français qui se battent pour la cause, donc n'hésitez pas, si vous le pouvez bien sûr, à leur filer un petit coup de main. Je vous invite aussi à aller sur le site du collectif Saint-Robert-Bellarmin. Nos amis du collectif Saint-Robert-Bellarmin font un très bon travail de recatholicisation, enfin de catholicisation tout au court d'ailleurs, de refrancisation par la diffusion d'ouvrages catholiques et contre-révolutionnaires. Je vous invite à découvrir leur catalogue parce qu'ils font vraiment un travail remarquable, que ce soit par des rééditions ou par des ouvrages originaux, tout simplement. Donc n'hésitez pas aussi à aider nos amis du collectif Saint-Robert-Bellarmin. Monsieur Pierre-Tiron, tous les liens sont en dessous. Hein. Monsieur Pierre-Tiron, on dit qu'il va l'être, parce que c'est Monsieur Pierre-Tiron qui est ce soir à la technique. Par ailleurs, je tiens à remercier les personnes qui se sont procurées Parole de Pape. Nous devrions normalement bientôt refaire une nouvelle impression. Ça ne va absolument pas de soi, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit un ouvrage à guicheur, si je puis dire. Voilà. Pas très grand public de prime abord, même si bon, pour moi c'est un sujet très important, la connaissance du magistère. Donc vraiment merci à toutes les personnes qui ont pris la peine de se procurer l'ouvrage et puis de le diffuser. Voilà. C'est toujours rassurant de voir que les gens sont intéressés par justement le renforcement de leur foi. Voire pour certains, la découverte, je dirais, de cet enseignement frappé du sceau de l'infaillibilité. Nous combattons aussi, vous le savez, pour la réagrégation de la qualité française. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur les chaînes YouTube qui sont encore peu connues, je dirais, moins connues que les grandes chaînes, mais qui, par leur travail, participent à cette refrancisation, à cette recatholicisation. Donc nous avons la chaîne de Jonathan Sturel, nous avons la chaîne de Jean-Noël, Vox Gallia, Gallia, notre histoire de France, pardon. Nous avons Fide TV, nous avons Radio Originale, la chaîne catholique de France, etc. La chaîne de Femmes à part, ça c'est pour les dames surtout. Donc je vous invite vraiment à faire preuve de curiosité, surtout que d'après certaines de mes informations, vous risquez d'avoir du temps libre devant vous, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, réagrégeons cette qualité française. Et n'hésitez pas à aider, si vous le pouvez, nos amis donc, de la librairie française ou du collectif Saint-Robert-Bellarmin. C'est pour la cause, c'est pour votre cerveau, c'est pour votre âme, c'est pour la France, c'est pour vos familles. N'hésitez point. Si la Providence le veut, le prochain livre de votre serviteur devrait sortir, si ce n'est en fin de semaine, la semaine prochaine. Donc, faites l'effort aussi, hein, éventuellement, d'avoir la curiosité d'aller sur le site des éditions Altitude pour avoir une bonne surprise. Est-ce que, dès la semaine prochaine, nous pourrons assurer la promotion du livre ? Ah, selon certaines ondes qui me sont envoyées, c'est potentiellement compromis. Voilà. Alors avant de passer la parole à Jonathan Sturel, je voudrais faire trois petits points rapides. Le premier, c'est que la dernière émission que j'ai faite ici, qui consistait à dénoncer le projet maçonnique de Bergoglio via notamment son encyclique Fratelli Tutti, enfin sa pseudo-encyclique parce qu'il est autant pape que Pierre de Tirmont, Bergoglio, eh bien, elle a plutôt bien marché. Alors pourquoi a-t-elle bien marché ? Parce que c'était un sujet d'actualité, déjà, contrairement à une émission, par exemple, comme Les Papes et l'Action française, que j'ai pu faire il y a quelques temps. Elle a bien marché également parce que vous avez mis beaucoup de pouces bleus
Hein, c'est la stratégie Jean Laporte. Donc mettez beaucoup de pouces bleus parce que ça dope notre visibilité. Nous sommes des bannis de l'ombre. Voilà, je traduis en français, hein, n'est-ce pas, monsieur Pierre-Tirmont ? Nous sommes des bannis de l'ombre. Donc pour contrer les algorithmes, eh bien, je compte sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus pour donner de la visibilité à nos travaux qui visent, je le répète, à refranciser, à recatholiciser, etc. Et la troisième raison, et qui est assez intéressante, c'est que cette vidéo a été pas mal relayée par des conciliaires. Donc ça veut dire que Bergoglio d'un côté et Vigano de l'autre, chacun dans leur domaine respectif, et l'abbé Vigano de l'autre, pardon, chacun dans leur domaine respectif, permettent de faire bouger les choses dans un bon sens. Voilà. Alors en parlant de notre cher Bergoglio, force est de constater qu'il a récemment remis son nez de clown en se prononçant dans un documentaire, donc c'est pas dans un texte officiellement appartenant donc au magistère de l'Église, hein, mais néanmoins, dans un documentaire, il s'est prononcé en faveur de l'union civile pour des individus ayant des mœurs contre nature. Il va de soi que c'est une hérésie. Pourquoi ? Je vous invite à lire, je crois que c'est l'encyclique Libertas de Léon XIII, qui est une encyclique absolument fondamentale, et qui est la réfutation de ces fausses libertés modernes résultant des droits de l'homme. Que nous dit Léon XIII ? Léon XIII nous dit que seul le vrai et le bien ont des droits. Donc le faux et le mal n'ont aucun droit. Je répète, seul le vrai et le bien ont des droits. Une union civile entre mœurs contre nature, enfin entre personnes ayant des mœurs contre nature, vise à accorder des droits à des mœurs contre nature, qui ne sont pas, selon la doctrine de l'Église, dans le camp, enfin à classer dans le camp du bien. Donc, Bergoglio veut donner des droits aux faux et aux mauvais. Ceci est anti-catholique, mais nous sommes habitués de la part de l'intéressé. Mais celle-ci, apparemment, a pas mal fait cogiter les conciliaires. Voilà. Voilà, voilà. Alors, avant d'en arriver, avant d'appeler Jonathan Sturel, je voulais vous lire un petit texte que j'ai écrit sur Facebook. J'ai pas la date exacte. Il me semble que c'était autour du 18 octobre. Donc, laissez-moi vous le lire. La rumeur enfle. Le gouvernement s'apprête à reconfiner, en l'assumant plus ou moins expressément. À vrai dire, une personne bien informée me l'a annoncé il y a 2 semaines, donc début octobre à peu près. Mais je ne croyais pas le pouvoir assez taré pour le faire. Si le gouvernement va jusque-là, alors il sera impossible de nier une entreprise de sabotage de la France, articulée probablement dans le cadre d'une manœuvre mondialiste. Il est proprement démoniaque, je dis bien démoniaque, de faire croire qu'il faut empêcher la vie des Français pour sauver des octogénaires et plus, dont on ne sait même pas s'ils meurent vraiment du Covid. Le bien commun exige qu'on laisse vivre les Français. Je répète, le bien commun exige qu'on laisse vivre les Français. Si vraiment il faut protéger les octogénaires du virus, alors d'une part, il ne fallait pas baisser drastiquement sans en avertir le peuple français, sans en avertir le peuple français, le nombre de lits de réanimation. Et d'autre part, il faut isoler les personnes à risque sans empêcher de vivre le reste du pays. Ceci posé, le magistère nous apprend que le mal est permis par la Providence en vue d'un plus grand bien. Je pense que la République, dans toute cette affaire, risque de se tirer une balle dans le pied, pour ne pas dire dans la tête. Les Français ont toléré l'afro-islamisation de la France, sa défiguration et la destruction de son tissu économique, car dans leur vie privée, ils continuaient à entretenir un petit confort individualiste, fait de loisirs et autres échappatoires afférents à la société de consommation. Pour dire les choses en une formule, le mode de vie issu de la révolution de mai 68 est l'amortisseur de la République. Je répète, le modèle de vie ou le mode de vie issu de la révolution de mai 68 est l'amortisseur de la République. En confinant, la République réduit à néant le petit confort des populations des grandes métropoles, soit les populations qui étaient jusqu'à présent restées indifférentes à l'afro-islamisation
et à la destruction de l'économie. Autrement dit, la République se prive de son amortisseur. Les populations du premier tiers, comme on dit parfois en sociologie, menacent en conséquence de retirer leur adhésion au régime. La colère gronde déjà dans la petite bourgeoisie. Il n'est pas exclu qu'une partie des bobos d'aujourd'hui deviennent les premiers opposants de demain. Bobo type Michel Onfray, par exemple. 2022, que nous voyons venir résigner en raison d'une candidature de Marine Le Pen, pourrait bien devenir une échéance très intéressante. PS, post-scriptum, bien entendu, si confinement il y a, il ne visera pas les populations que vous savez. J'en ai terminé. Voilà. Donc, profitons de ces moments de liberté que nous avons encore jusqu'à 21h, si je ne dis pas de bêtises. Bref, nous allons maintenant appeler Jonathan Sturel. Entendu. Et nous allons parler d'un ouvrage de Ernest Psychary qui s'appelle L'appel aux armes, je crois. C'est bien cela, monsieur Pirotier. Exactement. Un ouvrage que je confesse ne pas avoir lu. Oula, tempête dans le micro. Alors, est-ce que Jonathan nous entend ? Bonsoir, j'entends Pierre de Tirmont. Est-ce que vous m'entendez, Jonathan ? J'entends également Adrien Abouzi. Excellent, bien. Ça m'a l'air tout à fait bon. Est-ce que vous pouvez monter un tout petit peu le son pour Jonathan ? Je vais monter ton son. Allez-y, Jonathan, parlez. Oui, bonjour, bonsoir, comment allez-vous ? On dit 1-2-1-2 normalement. Hein. Je ne dis jamais ces choses-là. Ah, d'accord. Alors vous pouvez dire aussi, pour moi FIFA c'est la base. Voilà. 1-2-1-2. C'est un grand philosophe qui a déclaré ça. C'est bon pour toi Adrien, le son est assez fort? Ouais, un tout petit poil supplémentaire. Moi, si ça peut intéresser notre technicien, j'ai des petites, je sais pas comment on appelle ça, réverbérations sonores. J'ai moi aussi une sorte de résonance, on va dire ça comme ça. Un effet d'écho. Ou alors c'est peut-être que nous avons, Jonathan, une audition trop développée, allez savoir. Enfin, moi, je ne pense pas, mais... Peut-être. Non, baisse de l'autre côté, parce que là, tu m'as... T'en as remis une couche, au contraire. Il y a un petit bruit de fond, quoi. Bon, j'ai pas le bruit de fond, si ça peut aider Pierre. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Bon, l'essentiel, c'est que vous m'entendez, Jonathan. Moi, je vous entends, en tout cas. Je vous entends très bien. Bon, bah, allons-y, monsieur Pirotier. Allons-y. On va faire de la sorte. Du coup. Bah, écoutez, mon cher Jonathan. Alors, attendez, quand même, vous pouvez monter un poil de son, quand même, pour moi, pour la voix de Jonathan. Et donc, mon cher. Bah, alors là, c'est vraiment l'émission la plus sterlienne de l'année. Hein, ouais. Puisque ouais. Je n'ai pas lu l'ouvrage, d'une part. Et d'autre part, vous êtes, vous, mon cher Jonathan, un grand, je dois dire, admirateur, c'est ça ? Un grand... Oui, un admirateur, je ne sais pas comment on appelle. Enfin, vous êtes attaché à la personne. Oui, voilà, j'ai une sorte, je ressens une sorte de, je ne sais pas, de fascination pour le personnage, un intérêt intellectuel qui va être facile à comprendre à la lumière de ce que je vais dire sur lui dans quelques instants, mais au-delà de la fascination intellectuelle, une sorte de connexion, je ne sais pas si c'est le terme, mais une sorte de... c'est une bonne formule. Ouais, y a quelque chose qui m'attire, je ne vais pas dire irrésistiblement, on n'en est pas là non plus, chez Psychary, mais en tout cas, je me retrouve beaucoup dans son personnage, entre guillemets. Je dirais qu'il y a une communion d'esprit. Une communion d'esprit et peut-être aussi c'est une ça. Communion d'intérêt. Alors, pas évidemment d'intérêt... D'intérêt matériel et spirituel. Alors, voilà, donc moi, est-ce que Pierre m'entend ? Pierre Tirmont ? Parce que je voulais aussi faire savoir à Pierre que j'ai eu toute l'après-midi des petits problèmes de connexion. J'ai souvent perdu ma connexion cet après-midi. Donc bah, la Providence va peut-être vous la maintenir. Oui, en tout cas, il n'est pas exclu que ça arrive. Ça veut dire que si je disparais subitement, ça n'est pas que... C'est pas que vous faites la gueule, voilà. Voilà, c'est vous juste que ma connexion est partie, comme elle l'a fait souvent aujourd'hui, mais elle revient au bout de quelques minutes, et à ce moment-là, je renverrai un message pour dire qu'il est possible de me rappeler. Ça marche. Donc ça commence sur des chapeaux de roue, en fait. Eh bien, allons-y, cher ami. Eh bien, en tout cas, cette émission, alors c'est peut-être un peu ronflant ce que je vais dire,
mais c'est peut-être un moment historique entre guillemets, parce qu'en parlant de Ernest Psychiari, on va faire quelque chose de particulier, c'est qu'on va combler un vide, parce qu'en effet Psychiari a totalement quasiment totalement disparu des radars. Il est évidemment inconnu du grand public, ça c'est certain. Il y a énormément d'écrivains qui sont inconnus du grand public et énormément de personnages historiques qui sont inconnus du grand public. Mais plus gênant, il est aussi inconnu de gens qui s'intéressent à nos idées, à d'où viennent nos idées, etc. Parfois, quelqu'un connaît le nom Psychiari parce qu'ils l'ont entendu quelque part. Ils ne savent pas exactement ce que c'est, ni qui c'est, ce qu'il a fait, ce qu'on lui doit, etc. C'est plus un nom qui est passé comme ça, mais le connaître à proprement parler, puis alors le lire, j'en parle même pas. Donc, pour le vérifier avant l'émission, tout à l'heure, j'ai retapé son nom, j'ai tapé Ernest Psychiari dans le moteur de recherche de YouTube, et il n'y a absolument rien, c'est-à-dire vraiment zéro résultat. Donc en fait, l'émission de ce soir a une dimension particulière, alors historique si l'on veut, hein, toute proportion gardée, mais en tout cas, une émission pionnière en la matière. Et je n'en veux pas aux gens de ne pas connaître Psychiari, puisque moi-même qui vous parle et qui m'intéresse beaucoup à ces choses-là, il y a quelques années, c'est une petite anecdote personnelle ça, il y a quelques années, je fréquentais, c'est toujours le cas, enfin pas en ce moment à cause des événements, mais ce qu'on appelle des bourses aux armes. Donc si les gens ne savent pas ce que c'est, une bourse aux armes, c'est une sorte de brocante améliorée et thématique sur où on trouve, où on vend, où on achète, où on échange des objets historiques qu'on appelle le militaria, généralement... des uniformes, des médailles, des armes, des casques, etc., de la guerre, la première, la deuxième, de tout pays. Enfin. Donc ce sont des objets historiques, voilà, si vous voulez. Et on trouve souvent des livres, qui sont donc des livres historiques, dans ces endroits-là, et je vais sympathiser avec un vendeur de livres, et je lui ai demandé s'il n'avait pas ceci ou cela en stock chez lui, dans un carton. Il m'a dit qu'il regarderait, donc la fois suivante, il est venu avec des cartons, il m'a montré ce qu'il avait, et il me sort une biographie. Alors, c'était pas un livre de Psychiari, mais une biographie de Psychiari, mais je ne sais plus dire c'est laquelle. Et il me dit, vous connaissez ? Et il montre Psychiari, et c'était il y a 7-8 ans, hein. C'était pas il y a 30 ans, quoi. Enfin, il y a 30 ans, je ne lisais pas. Pas ça, en tout cas. Psychiari, vous connaissez ? Je lui dis, non, vous posez une colle, je ne connais pas du tout Psychiari. Donc, du coup, je ne lui ai pas pris sa biographie, et quelques mois plus tard, ou l'année suivante, je fais les bouquinistes et je vois les œuvres de Psychiari. Et je me suis dit, tiens, Psychiari, ce nom me dit quelque chose, en effet. Bon, mais il semblerait que l'occasion fait le larron. Et puis j'ai acheté ces livres et c'est comme ça que j'ai découvert. Donc, cette anecdote sert à dire quoi ? Sert à dire que même quand on s'intéresse à ces choses-là, il est possible de ne pas connaître Psychiari, ce qui en dit vraiment long sur le niveau d'anonymat, enfin d'incognito qui frappe Psychiari, que j'ai du mal à comprendre, mais que j'estime que cette responsabilité incombe à ceux qui, dans nos milieux, sont normalement censés en parler et qui ne le font pas. Dans nos soi-disant milieux, mon cher Jonathan Quand je dis dans nos milieux, depuis 50 ans. Ouais, on se comprend, ouais, voilà. Mais pardonnez-moi. Depuis longtemps. Non, mais c'est vrai que depuis longtemps, ça fait longtemps qu'il est tombé dans les oubliettes. Même s'il a paru, je pense que c'est la dernière en date, une biographie par Hugues Moutou aux éditions du Rocher en 2007. Étonnamment d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'activité éditoriale sur lui, enfin bref, ça existe. Mais sinon, ouais, c'est un peu le grand désert. Donc ce soir, effectivement, on va parler de son livre le plus connu, même si ça n'a pas beaucoup de sens de dire le livre le plus connu d'Ernest Psychiari, l'illustre inconnu. Mais de ceux qui connaissent Psychiari, celui des livres qu'ils sont capables de citer en premier, c'est celui-là, c'est L'Appel des armes, qui paraît en 1913. Mais pour comprendre l'intérêt de ce livre et pour comprendre pourquoi il est instructif et constructif de lire ce livre aujourd'hui en 2020, il faut dire quelques mots sur qui est Ernest Psychiari, sinon on passe à côté du message et de l'intérêt de ce livre. Ernest Psychiari, il est né à Paris en 1883, donc c'était pas hier, moi personnellement j'étais pas né. Il est le petit-fils d'un nom illustre du monde des idées et de la pensée de l'époque. Il est le petit-fils d'Ernest Renan, donc sommité exceptionnel de son temps. D'ailleurs, si Psychiari s'appelle Ernest, c'est en hommage au grand-père, puisqu'il est en fait, si vous voulez, le fils de Noémie Renan, qui était la fille d'Ernest Renan, qui est donc la mère de Psychiari. Donc Psychiari est réellement le petit-fils en ligne directe d'Ernest de Renan. Et cette ascendance va jouer évidemment un rôle très important dans sa vie, mais en réalité dans la vie de toute cette famille, de toute cette communauté, évidemment, car vous pensez bien qu'être la famille de Renan, à cette époque, c'est absolument énorme, compte tenu de l'importance gigantesque de Renan aujourd'hui. Je ne dirais pas que Renan est tombé dans les oubliettes, il continue d'être très connu. Mais universitaire, on va dire. Exactement. À l'époque, voilà, c'est exactement. Mais à l'époque, c'était gigantesque. Renan, c'était l'un des grands hommes. Donc,
Vous pensez bien que quand vous avez une ombre comme ça dans la famille, ça a une influence sur tout le monde. Donc, on peut absolument affirmer que Ernest a grandi dans une famille qui était une famille cultivée, lettrée, culturelle, intéressée par les questions politiques. Et d'ailleurs, à ce titre, il baignera dans des idées qu'aujourd'hui on appellerait de gauche. Si vous voulez, c'est la gauche, c'est la bourgeoisie parisienne de gauche de l'époque, humaniste, pacifiste, laïque, voire anticléricale, en tout cas athée, libre penseur, socialisant, voire franchement socialiste. Vous voyez un petit peu la mouvance dont il s'agit. C'est le genre de mouvance qui, par exemple, au moment de l'affaire Dreyfus, va devenir Dreyfusarde, évidemment. D'ailleurs, la famille, les parents, la famille, le milieu des parents de Psychary vont être Dreyfusards, en fait. Donc, il n'est pas rare de voir passer chez les Psychary des gens comme Émile Zola et des gens dont un nom que vous connaissez, un certain commandant Picard, qui était un ami de la famille Psychary aussi, y compris après, lorsqu'il sera ministre. Il a continué d'entretenir des liens avec la famille Psychary. Donc voilà, ça c'est pour vous situer, j'allais dire, les origines sociales, intellectuelles, philosophiques, politiques du clan Psychary. C'est extrêmement important de savoir d'où vient Psychary pour comprendre que ce qu'il va faire, lui, c'est suivre une trajectoire assez étonnante, compte tenu d'où il vient. Donc cette famille vit dans un espèce d'hôtel particulier, comme vivait souvent dans les familles de la bourgeoisie, qui existe toujours, qui est, je crois, rue Chaptal à Paris, qui est un musée maintenant, et donc c'était une sorte de vivier culturel, artistique, etc. Donc il faut vraiment se figurer ce milieu-là, en fait. Et il est fondamental de faire toutes ces précisions pour comprendre Psychary. Parce que Psychary, et ça c'est ce que je me plais à dire quand je dois parler de Psychary en quelques mots, c'est l'histoire d'une trajectoire. Une trajectoire politique et idéologique, comme Peggy d'ailleurs. Peggy qu'il connaissait personnellement, avec qui j'aurai quelques anecdotes à vous raconter entre les deux. Comme beaucoup d'autres de cette génération d'ailleurs, vous savez que nous avons une bonne partie de la correspondance de Psychary. Vous allez voir à quel point la vie de Psychary est vraiment une trajectoire, qui part vraiment d'un point A pour aller vers un point Z en fait. On a conservé une bonne partie de la correspondance de Psychary, et d'ailleurs une partie de cette correspondance a été publiée à titre posthume sous un volume qui s'appelle Lettres du Centurion, et la lecture chronologique de cette correspondance nous permet de vérifier à quel point Psychary a évolué, puisque dans les premiers temps où il écrivait à son père en l'occurrence, donc il était jeune, post-adolescent, il était parti en internat, je ne sais plus quel collège parisien, donc il entretenait, il n'y a pas de mail à l'époque, il n'y avait pas WhatsApp, donc il s'envoyait des lettres. Si vous voulez, les discussions que le père et le fils avaient, c'était grosso modo, ils étaient d'accord pour dire qu'il fallait libérer l'humanité de l'emprise des prêtres, de l'Église, de l'obscurantisme, etc. Il fallait, enfin, vous voyez un petit peu tout ce dont il s'agit. Et lorsqu'on lit la suite de la correspondance, Psychary qui grandit, qui évolue, et alors c'est encore plus flagrant sur les dernières années de sa vie, les lettres de Psychary n'ont plus rien à voir, puisque entre-temps, il a fait sa révolution spirituelle et politique. Il est devenu non seulement militaire, mais militariste. Il est devenu chrétien, il est devenu un militant de la foi, il s'est rapproché de l'Église, il est très pratiquant, etc. Et lorsqu'il envoie des lettres à sa mère, à Noémie, c'est plus du tout le même discours, puisque maintenant il cherche... il n'est plus du tout sur la ligne de ses parents. Et pour cause, oui, effectivement, son cheminement intellectuel va faire qu'il va renoncer au pacifisme, qui était la grande marotte de l'époque et de son milieu social. Comme je dis, pour devenir militaire, il va devenir militaire, hein, il fait partie de ces gens qui vont mourir au tout début de la guerre, mais qui n'étaient pas des conscrits de la guerre, comme par exemple Peggy, ou comme par exemple, pour citer des gens dont on a déjà parlé, comme par exemple Alain Fournier, qui avait une vie civile et sociale, et qui ont été mobilisés. Lui était militaire, il est militaire depuis de nombreuses années au moment où commence la guerre, il est déjà lieutenant d'artillerie. Et non seulement il est militaire, mais je dis oui, il est militariste, parce qu'en fait il est devenu un défenseur des valeurs militaires et des nécessités de la guerre, et il va renoncer à son pacifisme issu de son milieu d'origine. Donc ça déjà, c'est déjà pas banal. Donc Psychary, de ce point de vue, on peut considérer que c'est un témoin de son époque, enfin un acteur et un témoin de son époque, parce que vous n'êtes pas sans savoir que à cette époque, c'est-à-dire cette époque un peu Troisième République d'avant-guerre, il y a tout un mouvement de gens qu'on appelle les convertis au catholicisme, qui se sont rapprochés alors qu'ils étaient issus d'un milieu social intellectuel qui normalement ne les prédestinait pas à s'intéresser à ces choses-là, mais qui s'y sont intéressés. On a le cas de Peggy, on a le cas de Maritain, on a le cas d'Henri Massis, on a le cas de Psychary et évidemment de beaucoup d'autres. Donc de ce point de vue-là, Psychary est un marqueur de son époque et c'est très intéressant de l'étudier maintenant parce que ça nous permet à nous qui vivons dans une époque où
certains autres marqueurs sont en place et où on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus forts que nous et qu'ils vont finir vraiment par nous avoir jusqu'à la fin, on peut considérer que l'époque Troisième République avant-guerre n'était quand même pas l'époque la plus favorable pour l'Église et pour la foi et pour la défense de Dieu. Et pourtant, de ce marasme a émergé des gens qui ont résisté, qui se sont opposés. Donc ça aussi, c'est une sorte d'enseignement optimiste, en fait. Ça veut dire que la grève des cerveaux ne prend jamais à 100%. Il y a toujours des gens qui, à un moment donné, se manifestent. Psychary a eu une activité littéraire, ce qui n'est pas surprenant, vu son milieu d'origine, comme je l'ai dit, très cultivé, très lettré. C'est la très haute bourgeoisie parisienne. Il a une culture, il a suivi un enseignement de haute gamme, excellent élève, une intelligence supérieure. Donc évidemment, quand on est le petit-fils de Renan, puis qu'on a des idées, etc., évidemment, on les met par écrit. Il a écrit plusieurs récits autobiographiques, à proprement parler, et deux romans. Un premier roman qui paraît en 1908, le récit autobiographique et romancé de sa découverte du désert africain en tant que militaire colonial. Ce roman s'appelle Terre de soleil et Terre de sommeil, et pour la petite histoire qui n'a absolument aucun intérêt, mais moi j'ai une édition originale de ce volume qui est signée de la main de Psychary, et c'est l'une de mes plus belles pièces de collection dont je suis extrêmement fier. C'est parce que c'est pas banal, une signature de Psychary, ça court pas les rues. Et l'autre roman, c'est son plus connu, donc je disais, c'est L'Appel des armes dont on va parler ce soir, et qui a été publié en 1913. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, je pense que oui, on a parlé d'Alain Fournier et du Grand Maulne déjà ici. Et le Grand Maulne, le grand roman d'Alain Fournier, paraît également en 1913 comme L'Appel des armes. Et l'année suivante, les deux auront un destin similaire, puisque dès les premières semaines de la guerre, ils vont mourir tués à l'ennemi. Donc il y a une espèce de pont entre L'Appel des armes de Psychary paru en 13 et le Grand Maulne d'Alain Fournier paru en 13 également, sachant le destin commun de ces deux auteurs. Ça, c'est une petite parenthèse historique, j'allais dire un peu émouvante. Donc on va parler de L'Appel des armes. C'est un roman donc, dans lequel on va suivre deux personnages en particulier. Il y en a plusieurs autres qui sont des personnages plus secondaires. Les deux personnages principaux, le jeune homme qui s'appelle Maurice Vincent, et ce jeune homme qui se prend d'un grand intérêt pour la chose militaire grâce à la fréquentation donc, du second personnage principal, qui est le capitaine Nangès. Mais il faut savoir que Maurice Vincent, le personnage, c'est d'une certaine manière Ernest Psychary lui-même. Et là, je renvoie, pour encore parler du Grand Maulne et puis du Petit Chose, pour ne citer que des livres que nous avons connus, que nous avons parlé ici, c'est qu'il a fait ce que Daudet a fait pour le Petit Chose et Fournier a fait pour le Grand Maulne, c'est-à-dire qu'il a mis beaucoup de lui-même dans son propre personnage. C'est quasiment autobiographique, en tout cas très 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 inspiré de la vie de Psychary. C'est pourquoi les réflexions, les méditations de Maurice Vincent dans L'Appel des armes, c'est exactement, à très peu de choses près, mais c'est exactement les pensées, les méditations de Psychary. Et nous le savons lorsque nous consultons la correspondance de Psychary, où effectivement les mots qu'il met dans la bouche de Vincent sont ceux qu'il mettait lui-même par écrit dans sa correspondance, etc. Le capitaine Nangès, donc l'un des deux personnages, c'est un militaire qui est rodé, aguerri, qui a déjà passé par ses phases de réflexion et qui va pouvoir guider le jeune Vincent, le guider intellectuellement et moralement, si vous voulez, parce qu'il voit en lui un spécimen, comment dirais-je, très prometteur de soldat à l'ancienne, de soldat tragique, c'est-à-dire de soldat militaire, de soldat de métier, et conscient de la mission civilisatrice de la France. Donc finalement, le jeune homme va s'engager dans l'armée, effectivement, et il va rapidement rêver d'un départ dans les colonies, dans le désert africain, par goût pour l'horizon, par le goût pour l'aventure, pour le sacrifice, pour le jusqu'au boutisme, entre guillemets, et pour briser la monotonie et les chaînes d'une vie quotidienne qui ne convient pas à ses aspirations. Et ça aussi, c'est très psychariens, parce qu'il faut savoir que Psychary, dans sa véritable vie, a connu une espèce de crise existentielle où il a pris acte de ce qu'était devenu le monde moderne, et on a tiré la conclusion que ça ne lui convenait pas du tout, parce que lui, il aspirait à une discipline, il aspirait à la grandeur, il aspirait à la gloire, et le monde duquel il était origine, le monde originaire dans lequel il vivait, ne faisait plus la part belle à ses pensées. D'ailleurs, il le dit dans L'Appel des armes, je vais vous lire un extrait tout à l'heure assez fameux du livre. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il a mis beaucoup de lui dans son personnage, parce que son époque, c'est le matérialisme, c'est le nihilisme, c'est la fin de la foi, c'est la fin de l'esprit, c'est ce genre de choses, c'est la fin du tragique, la fin de l'histoire en fait. Et c'est la transformation des hommes en hommes modernes, et ça ne plaît pas du tout. Enfin, ça. Il s'avère que c'est comme pour chez Peggy, autres contempteurs du monde moderne, ce sont des choses qui ne leur
qui ne leur sied pas du tout. Quelque part dans le livre, Sicari explique que deux institutions seulement sont restées fidèles à leur engagement, entre guillemets, à leur engagement immémorial et ancestral, si vous voulez, et séculaire, si vous voulez. C'est l'armée et l'Église. Et on sait aussi que ces idées-là ne sont pas seulement celles du personnage du roman, mais ce sont celles de Sicari, puisque sa vie va être, au fur et à mesure des années, un rapprochement progressif vers l'armée, dans un premier temps, puis vers l'Église. Après s'être tourné vers l'armée, il va se tourner vers l'Église, et je vous dirai comment se termine sa vie et sur quoi elle se termine, pour comprendre que il s'en est fallu de peu pour que vraiment il achève complètement sa mue, entre guillemets. Il y a quelque chose de très important, et c'est ce qui fait que, à mes yeux, L'Appel des armes, c'est un roman pédagogique aussi. Alors, pas écrit dans un esprit pédagogique, mais on le lit aujourd'hui et on en tire de leçons. C'est en cela qu'il est pédagogique. Il a une formule exceptionnelle, Sicari, qui peut nous servir à nous aujourd'hui. Je vous ai dit dans quel monde il vivait, dans quel monde nihiliste. Il vivait une époque vraiment nihiliste, hein, le pacifisme, l'humanisme, l'athéisme, etc. C'était le renoncement de ce qu'était le substrat anthropologique de la France depuis 1500 ans, quoi. Son père représentait tout ça. Son père, Jean Sicari, était exactement dans ce milieu-là, c'est-à-dire socialisant, athée, etc. Et il a une formule, Sicari, dans son livre, où il dit que, en parlant de son personnage, mais c'est ce qu'il a fait dans sa propre vie, c'est de prendre le parti de ses pères contre son père. Donc son père, c'est son père. Pas mal. Voilà. Et prendre le parti de ses pères, c'est de tous ceux qui précédaient encore son père, c'est-à-dire la longue suite des siècles et la longue suite des générations. Dans le livre, le personnage, Vincent, est également, comme par hasard, le fils d'un libre-penseur, d'un antimilitariste, etc. Exactement comme Ernest avec son père Jean, c'est pour ça qu'il a dit, c'est complètement inspiré de sa propre vie. Et je trouve que cette formule, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais a priori, vous êtes d'accord pour dire que prendre le parti de ses pères contre son père, c'est en plus complètement... voilà. En fait, si vous voulez, c'est comme si, à cette époque, ils avaient eu... la génération de Sicari avait eu ces boomers, vous savez, ceux qu'on appelle aujourd'hui les boomers, qui ont tout détruit, tout déconstruit, tout cassé, et nous on est là, les irréductibles bourgeois. Les boomers, ils tombent pas de nulle part. Hein. Alors ils tombent pas de nulle part, c'est vrai, mais c'est vrai tout à fait, là, ils ont une particularité, c'est qu'ils nous précèdent immédiatement dans la chronologie des générations, et alors, pas tout le monde, mais nous, par exemple, nous, autour de cette table, on est d'accord pour dire que le bilan des boomers, et ce vers quoi ils nous amènent, le monde qu'ils ont construit, ne nous satisfait pas du tout, en fait. Non, en effet. Oui, pas du tout. Et bien, dans la génération de Sicari, il y a des gens qui ont fait le même constat, et je pense que on pourrait dire comme lui qu'il serait temps maintenant que l'on prenne le parti de nos pères, au pluriel, contre notre père, même si, en ce qui me concerne, mon propre père n'est pas concerné par cette génération de boomers, puisqu'il est complètement... Enfin bref, on s'en fout, c'est ma vie privée. j'ai l'impression que là, je me méfie, mais j'ai l'impression qu'on a été coupé, en fait. Non, pas du tout. Bon, très bien. Donc j'en étais à la formule magnifique que je viens de citer. Donc pour poser un peu l'ambiance intellectuelle à la manœuvre du roman, je vais vous lire deux ou trois passages qui, à mon avis, sont des passages caractéristiques du roman et qui situent parfaitement la pensée de Sicari, prétextant de situer la pensée du personnage. Mais vous avez compris que tout ça, c'est très lié, quoi. À un moment donné, le personnage du capitaine Nangès, qui est l'aîné des deux, évidemment, puisque c'est un vieux de la vieille, il va à l'église, parce que c'est quelque chose qu'il continue de faire, puisque Nangès lui-même est conscient de ce qu'on va appeler le dépôt des siècles, l'héritage des siècles, etc. Et à un moment donné, il ne se trouve pas en Afrique, il n'est pas en mission dans le désert, il est en France, et il va à l'église. Et voici le passage que je m'apprête à vous lire. Voilà. De la messe dominicale, Timothée Nangès recevait toutes les semaines un enseignement très net. Il admirait que la foi fût encore, après tant d'efforts, les uns nobles et empreints de sincérité, les autres entièrement dignes, il est vrai, de notre mépris, après tant de persécutions, il admirait que la foi fût vivace encore au cœur de la race. Après 2000 ans, c'était les mêmes cervelles, et aussi, à peu de choses près, c'était les mêmes gestes qui se répétaient, c'était les mêmes prières, c'était les mêmes mots qui sortaient de lèvres inchangées. Tout l'effort de la pensée humaine avait échoué devant la représentation sensible de ce crucifié. Tous les philosophes et les savants étaient restés impuissants devant le mystère inouï, formidable, de la transsubstantiation.
Je saute quelques lignes. Dans cette église de Cherbourg, nous sommes au lendemain de l'an 1000. Cet homme qui est là, tout à l'heure, il sera un bon bourgeois ordinaire. Maintenant, c'est exactement un bourgeois de l'an 1000. Au moment que l'hostie est élevée par le prêtre, par une grâce spéciale, le temps n'est plus pour ce bourgeois. Il est son propre ancêtre de l'an 1000. Il est son propre aïeul à lui-même. Cette perpétuité de la foi, voilà pour cet homme de grande inquiétude qu'est Nangès. Voilà le grand mystère, le mystère transcendant entre tous. Et donc ça, c'est exactement le résumé, le condensé, magnifiquement écrit, de Psychary, qu'il met dans la bouche de son personnage. C'est le constat que tous les efforts humains ont l'air d'avoir été déployés pour en finir avec Dieu. Et il n'y a rien à faire, Dieu est toujours là, des gens continuent de croire en lui. Et ce qu'il aime, et c'est ce que Barrès disait, ce qu'il aimait dans l'histoire, c'était la fixité du temps. Et cet autre mot, ce mot de Barrès coïncide exactement avec le passage que je viens de lire, c'est que les gens qui aujourd'hui vont à l'église et qui font la prière et qui suivent le dogme correctement, le font comme cela se faisait il y a 100 ans, il y a 200, il y a 300, il y a 500, il y a 1000 ans. Il y a une espèce de continuité, et ça c'est très important, parce que la fixité du temps, comme disait Barrès, ça c'est des choses qui nous intéressent, parce que nous autres, nous ne sommes pas des révolutionnaires et nous ne sommes pas des nihilistes, c'est-à-dire que on imagine que ce que nos ancêtres ont fait pendant 1000 ou 1500 ans, ça ne peut pas être complètement dément. Enfin, on ne peut pas avoir, pendant 1500 ans, fait quelque chose qui n'avait aucun sens. Et malgré tous les efforts humains qui semblent avoir été déployés pour en finir avec ces traditions et en finir avec cette façon de faire, le personnage de Nangès constate que ça existe toujours, il continue d'y avoir des gens qui prient comme il y a 1000 ans, et ça l'émeut. Et effectivement, c'est émouvant, moi aussi ça m'émeut. Là, je vais boire de l'eau, c'est pourquoi je vais m'interrompre pendant 3 secondes, si vous voulez parler. Ça m'arrive aussi, pas de problème. On n'a toujours pas été coupé. Non, ça va. Très bien. Donc, l'extrait que je viens de lire, que j'agrémente du mot de Barrès, c'est ce qui colle très bien avec l'histoire de ce roman. Et en fin de compte, quand vous avez entendu le message que je viens de vous lire, le passage que je viens de vous lire, vous avez compris la direction intellectuelle et morale du roman. Donc, théoriquement, si vous êtes un patriote, si vous êtes un adepte du retour aux sources, parce que c'est de ça dont il est question, normalement, ce roman est fait pour vous, il va vous parler. Et c'est, à mon avis, très intéressant. Barrès avait un autre mot, décidément, Barrès avait beaucoup de bons mots. Il disait que l'intelligence, c'était une petite chose à la surface de nous-mêmes, mais que sous la surface, il y a les profondeurs anthropologiques des siècles, c'est-à-dire la culture profonde, l'identité réelle et l'héritage des siècles, en fait. Et l'intelligence, les constructions intellectuelles aboutissent à des constructions donc, qui cherchent à nous détourner de ce que nous sommes. Lorsque Psychary dit qu'il prendra le parti de ses pères contre celui de son père, c'est-à-dire qu'il prend le parti de ses ancêtres de 1500 ans contre son père qui, depuis une vingtaine d'années, est en train de dériver vers quelque chose vers quoi les constructions intellectuelles l'ont amené. Alors là, en matière de constructions intellectuelles qui nous déracinent complètement, honnêtement, bon, Psychary, il a vu son lot à son époque, mais je pense que s'il venait aujourd'hui et qu'il voyait qu'en matière de constructions intellectuelles, on en arrivait à dire qu'il fallait plus faire de jouets roses pour les filles et de jouets bleus pour les garçons, qu'il fallait dégenrer ou mégenrer, enfin voilà, enfin, en termes de l'intellectualisme, si vous voulez, le parti intellectuel, quand on commence à réfléchir un peu tout et n'importe quoi, ça ouvre des portes infinies sur tout et n'importe quoi, et on en arrive à des absurdités telles qu'elles sont produites en ce moment par la sociologie française et par les universités américaines de gauche, etc. Donc, on peut comprendre dans ces conditions-là que des fois, se retourner vers le passé, vers cette fixité du passé, sur des repères qui sont stables et qui ont 1500 ans d'ancienneté et de pratique, ça m'a l'air d'être... Enfin, moi, il me semble que c'est un petit peu plus solide que les divagations d'un militant antifa taré, militant LGBT, qui va nous dire qu'il faut offrir maintenant de la vaisselle aux petits garçons et puis des avions de chasse aux petites filles parce que sinon ça va, c'est le patriarcat, etc. Enfin, vous voyez un petit peu le délire dans lequel l'intellectualisme, mais c'est ce mot de Barrès en fait, ça en fait. On commence à réfléchir, c'est très intéressant le monde des idées, c'est très nourrissant, on commence à se prendre au jeu, mais inévitablement ça enclenche quelque chose qui est de la surenchère et ça va être au sociologue qui inventera la théorie les plus farfelue que celle du précédent pour se démarquer, ça va être le militant qui va inventer encore un nouveau mot pour qualifier quelque chose qui par définition a besoin d'être nouveau, et tout ça, ça nous emmène n'importe où, et moi je suis comme Barrès, j'aime bien la fixité du temps et j'aime bien l'idée de Psychary de prendre le parti de nos pères contre celui de la génération des boomers. Est-ce que pour l'instant tout le monde me suit? Est-ce que pour l'instant toujours. Tout le monde comprend pendant que vous me dites que vous me comprenez, moi je remets de l'eau dans mon verre. S'il y a une coupure, rassurez-vous, je vous enverrai un message par télépathie pour vous l'indiquer. Hein. Rassurez-vous. Oui, d'accord.
je procède. Comme d'habitude, Comme d'habitude. Je pratique la télépathie. Oui, tout à fait, tout à fait. Pierre-Otier-Mont aussi, d'ailleurs. Bon. Alors, où j'en suis au début du roman? Parce qu'en fait, j'ai des notes. Hein. Vous pensez bien que je suis pas en train d'improviser, là. Oui, voilà. Donc là, je vais encore vous relire un passage du livre. C'est celui-là, on trouve... Celui-là, il est beau aussi, là. Il est très beau, celui-là. C'est au début du roman, celui-là. C'est... Enfin, c'est relativement au début du roman. Je crois que j'ai débranché mon micro, non? Non. Encore un extrait que je trouve excellent. Je vais vous lire, évidemment, qu'il est dans la droite ligne de ce qu'on vient de dire, sur la résurgence du vieux fond, qui est la vraie nature du français enraciné. Alors écoutez ces quelques lignes. Pour mieux s'expliquer, ça c'est deux points, ouvrez les guillemets. Hein. Pour mieux s'expliquer ce petit combat intérieur, il faut rappeler que l'on était au temps du plus grand triomphe des pacifistes. On réprouvait tout emploi de la violence, toute action de la force. Il fallait, dans le monde de Maurice, c'était une obligation, rabaisser l'armée tout entière, et surtout quand elle fait œuvre d'armée aux colonies. Il fallait détester les fusils, et surtout quand ils servent à tirer. C'était là en quelque sorte le thème de l'époque, le motif principal, et comme une de ses nécessités sociales. Il y avait des variantes. Les uns, comme le père de Maurice, maudissaient les soldats et leurs drapeaux. Les autres rêvaient d'une sorte d'armée qui fût comme un prolongement de l'école laïque, obligatoire et primaire, une œuvre post-scolaire, selon le mot en faveur, enfin par une contradiction singulière, un instrument même du pacifisme. Mais, très généralement, dans le peuple comme dans la bourgeoisie, on s'accordait à trouver désuètes, indignes de notre temps, les vieilles vertus conquérantes de la race, et à désirer un repos qui était celui des consciences honnêtes et apeurées. Quel moyen pour un jeune garçon d'échapper à son siècle et de ne pas professer des sentiments aussi bien portés. Mais qu'un passant survienne, évoque une campagne lointaine, des herbes où des soldats rampent, le fusil au poing, les cris d'un assaut dans la lumière tremblante d'un jour beau, et le vieux fond reparaît. Ce qui dormait s'éveille, et si le jeune homme a quelque sincérité, tout est remis en question. Alors ce passage, je l'adore, parce que c'est exactement la petite révolution qui n'est pas la révolution intellectuelle mais la révolution du vieux fond que l'on est capable de créer chez des gens. Enfin, tout est remis en question, c'est surtout ça en fait. Parce que... c'est déjà l'annonce de la refrancisation en quelque sorte. Oui, voilà, c'est ça. Mais oui, c'est ça. C'est la refrancisation. En fait, il parle de la refrancisation, c'est-à-dire que quand il dit tout est remis en question, c'est retirer la crasse révolutionnaire qu'il y a sur notre âme et notre intellect. Pour retrouver ce qu'il y a en dessous, ce qui a été pour le moment dissimulé par cette crasse, mais qui en fait, on s'en rend compte, et l'exemple de Psychari nous le montre, ça n'est pas une fatalité, on peut faire quelque chose. Quand il dit tout est remis en question, c'est toutes ces certitudes façonnées par le parti intellectuel, c'est-à-dire le pacifisme et les constructions idéologiques modernes. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui sont convaincus de toutes les bêtises sociologiques qu'on leur met dans la tête, mais parfois, pour certaines de ces personnes, s'ils ont quelques sincérités, comme dit Psychari, voilà. Est-ce que quelqu'un, concrètement, quelqu'un de bien intentionné, qui est honnête avec lui-même, peut entrer dans une église ou dans un musée ou visiter un lieu historique chargé de quelque chose et ne pas ressentir quelque chose qui paraît s'animer au plus profond, en fait, qui paraît réveiller des instincts anciens? Moi, honnêtement, je ne peux pas entrer dans une église et je ne peux pas aller dans un lieu dont je sais qu'il s'est passé quelque chose d'important sans ressentir quelque chose. Et ça, c'est pas une construction intellectuelle, ça. C'est quelque chose que vous avez dans les tripes et que vous avez dans le cœur, en fait. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup ce passage de Psychari, parce que ce qu'il ressent, ce qu'il a mis par écrit, c'est exactement le genre de situation par lesquelles j'en suis moi-même venu à prendre conscience de ce que j'étais et vouloir le défendre et vouloir le continuer à l'être, en fait. Donc je me dis, à quelques 130 ans d'écart, Psychari, c'est pourquoi on parle tout à l'heure de communion, de connexion de pensée, etc. Psychari est passé par des états psychologiques, moraux, intellectuels, par lesquels je suis moi-même passé, toute proportion gardée, et c'est pourquoi je comprends Psychari. Et ça, c'est important pour aimer un livre, c'est comprendre son auteur, et pour la plus forte raison pour aimer un auteur, lorsqu'on comprend cet auteur, ça crée une connexion, et c'est pourquoi j'ai... Parce que ça vaut aussi chez moi pour Peggy, pour quelques autres. Hein. Peggy, Psychari, tout ça, c'est quand même très proche. Et donc, je comprends, en fait. Je comprends Psychari, et le fait de le comprendre, ça me le rend beaucoup plus... Ça me le rend audible, en fait. Autre chose que je peux dire sur ce livre... Alors là, c'est un passage... Ça, c'est vraiment très intéressant. Ça, c'est... Je vais parler d'Alfred de Vigny. Tout le monde connaît Alfred de Vigny. Enfin, beaucoup de gens connaissent Alfred de Vigny, le comte de Vigny. Il y a à un moment donné dans le livre de Psychari, dans L'Appel des Armes, une espèce de quoi d'astuce littéraire, entre guillemets,
que j'ai trouvé vraiment excellent, très bien. Alors, il l'a pas inventé, hein, mais très bien faite chez lui. Où le personnage, l'un des deux personnages, donc c'est le capitaine Nangès. Là, on est dans le désert, on est en Mauritanie, on est dans le désert, on est chez les morts. Il vient de se passer un échange de tirs avec une tribu rebelle. En fait, l'idée, c'est que c'est pendant la conquête coloniale ou la pacification coloniale, si je puis dire. Alors là, en l'occurrence, on se situe exactement avant-guerre, en fait, puisque oui. Psychary était en Mauritanie de 1909 à 1912. Voilà, ça situe le cadre. Oui, tout à fait. C'est vraiment avant-guerre, en fait. Avant Première Guerre mondiale, évidemment. Donc oui, c'est l'œuvre de c'est la colonie, c'est l'artillerie coloniale, c'est les gens qui vont coloniser. C'est ce dont je parlais dans une précédente émission. C'est ce que faisaient ces gens qui allaient cartographier le désert. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'avoir entendu parler de ça de ma bouche, là. La cartographie du désert, c'est l'aventure aussi. Et ça, c'est quelque chose qui plaisait beaucoup à Psychary. Bon, en tout cas, à un moment donné, ce personnage, il y a, qui est d'ailleurs tiré d'une histoire vraie, une escarmouche avec une tribu rebelle qui fait deux morts. Donc c'est un moment assez compliqué, qui a vraiment eu lieu, mais qu'on retrouve dans le livre. Et sous le soleil écrasant de l'Afrique, à un moment donné, le personnage de Nangès est dans une espèce de demi-état semi-rêveur, etc. Il commence à partir, entre guillemets, dans des pensées somnolentes. Et là, dans un espèce de demi-rêve éveillé, il s'imagine, le personnage s'imagine voir venir vers lui une ombre qui se présente comme s'appelant Timoléon d'Arc. Et il s'avère que Timoléon d'Arc, c'est un personnage du livre d'Alfred de Vigny qui s'appelle Servitude et grandeur militaire, dont je vais rappeler. C'est classique. Qu'il a paru en 1835, qui est composé d'une introduction d'Alfred de Vigny sur ses méditations sur la chose militaire. Psychary avait lu ce livre parce qu'il avait lui-même des questionnements sur la dimension, l'œuvre civilisatrice ou non, de qu'est-ce que l'armée. En fait, c'est pas juste mettre un uniforme et porter un fusil, c'est réfléchir à toutes ces questions. Donc il avait lu Alfred de Vigny qui s'était posé ces questions et qui les avait mis sur le papier en 1835 dans Servitude et grandeur militaire. C'est trois nouvelles en fait, Servitude et grandeur, c'est trois nouvelles. Et dont une qui s'appelle La Veillée de Vincennes. Et dans La Veillée de Vincennes, le comte de Vigny, qui parle de lui-même, parce que c'est assez autobiographique, discute avec un personnage, qui est un autre militaire, qui s'appelle Timoléon d'Arc, en fait. Et ce Timoléon d'Arc apparaît dans le roman, par une astuce littéraire, apparaît dans le roman de Psychary. Et j'aime bien l'idée de faire venir dans un roman le personnage d'un autre roman qui sont à plusieurs décennies d'écart. Donc j'aime beaucoup l'astuce. Et ça m'a rappelé, ça m'a fait relire du coup pour l'occasion le livre de Vigny, et particulièrement cette nouvelle qui s'appelle La Veillée de Vincennes, et qui est absolument excellente. Vraiment, je vous conseille de lire Servitude et grandeur militaire d'Alfred de Vigny, c'est excellent, c'est vraiment excellent. Les parties qui sont les plus philosophiques ou qui ne sont pas à proprement parler les nouvelles sont peut-être un petit peu pompeuses, un peu longues, mais les trois nouvelles qui s'appellent Lorette ou le cachet rouge, La Canne de Jonc et La Veillée de Vincennes sont absolument excellents. Et non seulement c'est intéressant, cette astuce littéraire, mais il y a aussi quelque chose qui est absolument fascinant. Alors là, je ne sais pas comment l'expliquer, hein. Je ne prétends pas qu'il y ait une intervention ni quoi que ce soit, mais mystique ou quoi que ce soit, mais c'est une sorte de parallèle de l'histoire, c'est que dans La Veillée de Vincennes, qui est la nouvelle de Vigny dans laquelle apparaît ce Timoléon d'Arc, il est question d'un vieil adjudant, très consciencieux, comme le sont les vieux adjudants, surtout à cette époque-là, dont le travail est de vérifier dans la soute à poudre que tout est bien rangé au bon endroit. Et il explique, ce vieil adjudant, qu'il doit le faire, et il explique ça à Vigny et à Timoléon, qu'il doit le faire avant que le soleil se couche, parce que quand le soleil est couché, il fait nuit, et quand il fait nuit, pour pouvoir rentrer dans un lieu clos, il faut une torche. On est en 1835, hein. Sauf qu'une torche dans une soute à poudre, c'est pas une bonne idée. On sait pas ce qui peut se passer. Donc il fait sa revue, ce vieil adjudant, puis finalement il est l'heure de s'arrêter. Puis il retourne dans sa chambre et, animé par une espèce de volonté de bien faire, dérangé par le fait qu'il a oublié de compter quelque chose, donc la conscience professionnelle, si vous voulez, du vieux soldat, fait qu'il reprend sa torche et il va dans cette soute pour vérifier qu'il n'a rien oublié, et là tout explose. Tout pète, en fait. Donc lui, il meurt aussi. Alors pourquoi c'est intéressant d'en parler? C'est que cette fin tragique de ce personnage du vieil adjudant dans cette nouvelle ressemble étonnamment à la fin tragique, non pas du personnage de Psychary, mais de Psychary lui-même, qui meurt fin août 1914 dans la bataille de Rossignol en Belgique. Je vais vous expliquer les conditions de la mort de Psychary qui ressemblent trait pour trait
à celle de ce vieil adjudant dans cette nouvelle qu'avait lue Psychari et dont il a fait venir l'un des personnages dans son propre roman. Psychari était officier d'artillerie, donc il tenait une pièce d'artillerie. Il va se passer quelque chose contre les Allemands, ils vont être supérieurs en nombre et supérieurs en équipement. Ça, c'est l'histoire vraie hein, de la mort de Psychari que je vous raconte. Et donc, Psychari est sur sa pièce d'artillerie et il s'avère que les Allemands sont plus forts et commencent à les encercler. Donc, il y a ordre pour les Français de reculer. Donc, les Français reculent. Et une fois qu'ils sont reculés et qu'ils sont un petit peu plus à l'abri des tirs allemands, le lieutenant Psychari se dit « C'est pas bien ce que j'ai fait. Je n'ai pas au moins... à défaut de partir, je n'ai pas saboté ma pièce d'artillerie. » C'est-à-dire que les Allemands vont s'en emparer et s'en servir contre nous. Et il lui était inimaginable dans son esprit à lui que les Allemands utilisent des armes françaises contre les Français. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il rebrousse chemin pour aller sur sa pièce d'artillerie pour la saboter. Et c'est à ce moment précis qu'il prend une balle en pleine tête et qu'il meurt. Donc il meurt comme le vieil adjudant d'Alfred de Vigny, c'est-à-dire en ayant voulu poursuivre jusqu'au bout, dans une conscience totale, son métier de soldat. Est-ce que c'est pas banal, ça, ce que je vous dis là ? C'est quelqu'un qui vivait pour le devoir. Voilà. Oui, et ça, c'est la marque des catholiques. C'est-à-dire que le païen, c'est que ma volonté soit faite. Et le catholique, c'est que votre volonté soit faite. On fait notre devoir. On ne fait pas notre propre volonté. Ben là, en l'occurrence, je pense qu'on peut tout à fait le dire comme ça, en effet. C'est faire son devoir de soldat, c'était de combat. Mais lorsqu'il y a ordre de se replier, parce que de toute évidence, tout le monde va se faire décimer, au moins ne pas laisser des armes dans les mains de l'ennemi. Donc il est remonté pour saboter sa pièce d'artillerie. Et c'est ce qui lui aura été fatal, comme ce vieil adjudant. C'est un étonnant parallèle, entre guillemets. C'est que dans l'appel des armes, il fait dire à un moment donné à un de ses personnages: il y a des moments, de pauvres les guillemets, il y a des moments où je voudrais mourir ici, sur un champ de bataille, tant je suis heureux de vivre. Et le 22 août 14, c'est-à-dire en fait l'année suivante, ce vœu, entre guillemets, cette volonté, je ne sais pas si c'est un vœu ou une volonté, va s'exaucer, puisqu'effectivement, comme son personnage le désirait, Psychari va effectivement mourir sur le champ de bataille, exactement sur le champ de bataille. Et en plus dans des conditions qui rappellent celles du vieil adjudant de la nouvelle de Vigny. Enfin, là, on est dans une espèce de moment où se croisent plusieurs personnages littéraires, une nouvelle avec un roman, où il se passe en 1914 des choses qui ont été écrites dans une nouvelle de 1835 qui avait été lue par Psychari et dont il avait mis un bout dans son propre roman. Enfin, tout est en train de se mélanger à ce moment-là. Je trouve que c'est l'espèce de bouquet final de la fin de vie de Psychari, assez exceptionnel. J'avais dit tout à l'heure que je vous parlerais de Peggy, parce qu'il y a effectivement un lien entre Peggy et Psychari. Les deux hommes se connaissaient réellement. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas seulement une correspondance, c'est qu'ils se voyaient tous les jours. Il y a quelques, dont une en particulier qui va vous intéresser, cher Adrien, sur la religion. Il y avait régulièrement, parce qu'ils se voyaient souvent, vous savez où ils se voyaient, bon, à différents endroits. Par exemple, ils se voyaient aux conférences de Bergson à la Sorbonne, ou au Collège de France, je ne sais plus. Et... Ouais. Ils y allaient ensemble, mais ils se voyaient aussi chez une certaine Geneviève Favre, qui était la fille du président Favre et la mère de Jacques Maritain. Donc il s'avère qu'ils la connaissaient, tout le monde se connaissait, c'était un petit milieu. Et ils se réunissaient souvent, je crois que c'était le samedi ou le dimanche, je ne sais plus trop. Et Psychari et Peggy, assez régulièrement, comme en témoignent plusieurs témoins, notamment Henri Massis et l'un des deux frères Tarot, qui assistaient à ces déjeuners. C'est encore un autre niveau, les frères Tarot. Ouais, c'est encore un autre niveau. Et, en fin de compte, tout à fait. Et Psychari et Peggy s'entendaient très bien, ils avaient une communion entre les deux, mais ils s'engueulaient. Plus exactement, Peggy, vous savez, Peggy, sur la fin de sa vie, pareil, a suivi le chemin d'une conversion vers la foi, etc. Mais il était vraiment un chrétien hors les murs. C'est-à-dire qu'en fait, il n'avait pas encore passé par le moment où il va au sacrement et il fait toutes ces choses-là. Donc Peggy, c'était... Bon, de toute façon, Peggy était singulier surtout hein, dans ses relations avec les autres, dans son style, dans ses sujets d'écriture. Peggy, c'était vraiment un personnage à part. Donc on peut comprendre que, pour être fidèle, entre guillemets, à son personnage, enfin à ce qu'il était en fait, il était un gars à part, il était un chrétien hors les murs pour le moment. Et Psychari, lui, n'était pas du tout un chrétien hors les murs. Psychari, il allait aux offices, il communiait, et lui, il prenait ça très au sérieux. Et il disait à Peggy, vous devez le faire,
Mais oui. Je ne comprends pas que vous ne le fassiez pas. Et en fait, Psychiatrie poussait Peggy à le faire. Il dit, mais ça n'a aucun sens, Peggy, que vous disiez toutes ces choses, que vous les écriviez même, que vous ayez cette sincérité de la foi, etc. Ne le fassiez pas. Vous devez le faire. Et Peggy disait, oui, mais pour l'instant, je ne peux pas, machin, etc. Et Peggy disait, alors je ne sais pas si c'était une vraie explication ou si c'était pour se dédouaner, mais il disait, moi, ce moment de la communion, etc., ça va être un moment d'une telle intensité spirituel que pour le moment je suis pas encore prêt à vivre ça, quoi. Il le justifiait comme ça, mais en tout cas c'est marrant de savoir que en présence de Maritain, de Massis, de la mère de Maritain, d'un des deux frères Tarot, il y avait des querelles, des engueulades qui parfois manifestement pouvaient être assez brutales verbalement entre Psychiatrie qui voulait à tout prix que Peggy aille à l'église et Peggy qui disait qu'il n'était pas prêt. Donc je pensais que ça c'était un moment intéressant de savoir, sachant qu'il y a aussi d'autres anecdotes entre les deux personnages qui sont beaucoup plus légères, dont une en particulier qui m'a fait beaucoup rire, qu'on retrouve dans un livre qui s'appelle « Pour les fidèles de Peggy, des frères Tarot », où il explique, alors je ne sais plus si c'est Peggy qui racontait l'histoire ou Psychiatrie, mais je crois que c'était Peggy qui racontait l'histoire, qu'il était à la gare de chemin de fer, et qu'il y avait une grosse dame qui voulait descendre du train, mais elle descendait à reculons. Comme elle était grosse, vous imaginez un petit peu le train, il s'arrête, il fait son escale. Elle veut descendre, mais elle descend à reculons, c'est-à-dire un pied. Vous voyez ce que je veux dire par descendre à reculons d'une marche de train ? Voilà, là, on a été coupé. Ah non. En fait, elle descendait à reculons du train, mais l'agent, je ne veux pas dire l'agent SNCF, ça ne s'appelait pas comme ça, mais l'agent des chemins de fer, voyant dans quel sens elle était bloquée dans les escaliers, lui pensait qu'elle était en train de monter. Donc en fait, l'agent était revenu et il repoussait la dame vers l'intérieur du train, pensant qu'elle voulait y aller, alors qu'en fait, elle voulait descendre. Et alors, je ne sais plus si c'est Peggy ou Psychiatrie qui avait assisté à la scène et qui l'a raconté lors de ses déjeuners chez Madame Favre. Et il s'avère, ça c'est un petit moment aussi émouvant, où Psychiatrie et Peggy était mort de rire, en fait, à rouler sous la table en s'imaginant et en se repassant quasiment tous les dimanches cette scène, sachant que Psychiatrie ait été mort de rire, ça ne m'étonne pas, parce que Psychiatrie était quelqu'un de vivant et quelqu'un de vif et de malicieux. Peggy était quand même beaucoup plus austère et beaucoup moins enclin à la rigolade. Donc de me dire qu'à un moment donné, il y a eu un frère Tarot, il y a eu Massis, il y a eu Psychiatrie, il y a eu Peggy, et que tous ces gens-là étaient morts de rire au repas en pensant à cette grosse dame qui voulait descendre alors que l'autre la faisait remonter parce qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. Je trouve ça émouvant et je trouve ça drôle, en fait. J'aurais vraiment beaucoup aimé être là, quoi. Oh, bah, on a Weshden, nous, quand même. Hein, donc bon, voilà, on n'a pas non plus être trop jaloux, quoi. On a quoi ? Weshden. Weshden. Je sais pas ce que c'est. Pierre de Tirebon vous expliquera. Ouais, je t'expliquerai, Jonathan. Je t'expliquerai. Oula. Non, je connais pas. Je connais pas. Non, mais c'est pas grave. Sincèrement, c'est pas grave. Je rate rien, c'est ça ? Ouais, a priori, non, c'est bon. Mais du coup, il va falloir que j'aille voir parce que ça m'intrigue. Si Pierre de Tirebon connaît, je veux connaître. En tout cas, voilà, pour ce qui est de l'actualité éditoriale de Psychiatrie, malheureusement, c'est très pauvre. Je vous ai cité une biographie de Moutou qui date de 2007 et une autre de Frédéric Naud-Dufour qui date de 2001, qui est pas mal, mais à qui je reproche deux, trois trucs, notamment d'avoir relayé une certaine rumeur concernant Psychiatrie, dont on n'a peut-être pas envie de parler ici. Ouais. Mais pas de ça ici. Donc voilà, si vraiment je devais dire en quelques mots à quelqu'un de lire L'Appel des armes, c'est d'abord, c'est très bien écrit, ce qui n'est pas une surprise compte tenu du niveau culturel dans lequel évoluait. Voilà, enfin, vous êtes le petit-fils de Renan, vous avez une scolarité exemplaire, vous savez écrire a priori, quoi. Donc ça, c'est pas une surprise. Mais ce qui est intéressant, ce sont les méditations de l'auteur, et c'est en fait très important parce que bien que ça a été publié en 1913, c'est-à-dire il y a plus de 100 ans, très concrètement, et je n'exagère pas en disant ça, la plupart des réflexions qu'il se fait sont toujours d'actualité, en fait. Et je me dis, la situation qui était celle de l'avant-guerre, qui inquiétait beaucoup au niveau du pacifisme, l'antimilitarisme, etc., que Peggy également dénonçait, évidemment Psychiatrie, je me dis, mais si ces deux bonhommes-là ressuscitaient maintenant, et voyaient dans quel état moral on est, dans ce qu'est devenu la France d'aujourd'hui, mais ils se rendraient compte de la chance qu'ils avaient en fait de vivre à une époque où finalement ça se tenait encore à peu près, quoi. Donc la situation qu'ils ont connue, eux, s'est aggravée de décennie en décennie jusqu'à nous. La situation, la nôtre, est bien pire que celle qu'ils avaient connue, et pourtant ça a justifié que ces gens-là s'en inquiètent. Ils nous ont prévenus, aujourd'hui on a des livres comme L'Appel des armes qui nous permettent de nous nourrir intellectuellement et surtout de nous armer intellectuellement, et je trouve ça, honnêtement, j'ai déjà fait lire ce livre à plusieurs personnes, de l'avis unanime, c'est franchement un livre
utile à lire. Vraiment, c'est utile pour l'intelligence et c'est beau à lire, évidemment. Il y a des descriptions de paysages, etc. Parce que Psicary était résolument un enraciné qui comprenait la beauté d'un paysage français. Et il était également un esprit aventureux. C'est un livre, je pense, qui en fait, et en plus, est relativement accessible. Ce n'est pas un énorme livre de 1000 pages, ce n'est pas un pavé. Vous pouvez le lire franchement correctement, assez facilement. C'est très fluide comme style. Il y a quelques petites fulgurances, quelques petites envolées. Il y a une fin qui est assez émouvante aussi, que je ne vais pas vous raconter. Donc honnêtement, je pense que Psicary est un personnage qui gagne à être connu. Ses livres gagnent à être lus. Alors, si vous voulez, ça c'est... En fait, si tu veux, il y a deux Psicary. Il y a le Psicary qui se rapproche de l'armée, de la condition militaire, et il y a le Psicary qui se rapproche de la foi et de la condition religieuse. Il faut savoir qu'à la fin de sa vie, Psicary était tertiaire de l'ordre dominicain. Il s'était tellement rapproché de l'Église, de la pratique, qu'il était tertiaire. Et il était prévu. C'était sa volonté, quand la guerre a éclaté, à l'issue de cette guerre, au retour de cette guerre, d'entrer dans les ordres, carrément. Ben ça, il ne le pourra pas le faire, puisqu'il meurt pendant la guerre. Mais c'est pour vous dire un peu le parcours de Psicary aurait vraiment abouti à une sorte de consécration. C'est qu'en fait, il était prévu pour Psicary d'entrer dans les ordres après la guerre. Donc en termes de, je vous parlais tout à l'heure, en termes de trajectoire et de parcours, vous êtes le petit-fils de Renan, hein, ce qui n'est quand même pas rien, mais enfin bon, en termes d'idées, c'est disons pas ce qu'il y a du passif. Il y a du voilà. Passif anthropologique, on va dire ça comme ça, et familial. C'est cela même, et voilà, vous avez grandi dans un milieu socialisant, pas anarchiste quand même, mais passif. Laïcisant, etc., avant l'heure, etc., tout à fait. Et vous finissez votre vie. Ah bah ça, ça, c'est la force des grâces du bon Dieu. Hein. Le bon Dieu, par ses grâces, nous métamorphose. Hein. Et encore une petite chose qu'il a encore une fois en termes d'émouvant, là on a le pompon, il faut savoir qu'il portait toujours sur lui un chapelet autour du poignet pendant le service. Quand il est mort, il a pris la balle allemande, il est tombé sur le dos et il est mort les bras en croix sur le dos. Il avait son chapelet autour du poignet et ce chapelet existe toujours. Il est dans les archives Psicary du musée de la vie romantique de la rue Chaptal à Paris. Ce chapelet existe toujours. Le chapelet qui était autour du poignet de Psicary quand il est mort. Et c'est un avec musée d'autres qui... choses. C'est un musée qui est consacré à Psicary, donc ? Alors, c'est un musée qui est consacré à la vie romantique de l'époque. Ah, il y a une section d'archives Psicary, il y a une section d'archives Renan aussi. C'est le musée quelque chose Renan. En fait, c'est là où vivaient les Psicary, hein, tout simplement. C'est là où il a vécu Psicary. Donc, il y a une des pièces qui est sa chambre. Et aujourd'hui, il y a la correspondance, il y a des manuscrits, il y a plein d'objets ayant appartenu à Psicary. Et il y a une boîte dans laquelle Et moi, j'avais prévu, figurez-vous, avant tous ces événements de confinement et compagnie, de venir à Paris parce que j'avais contacté ce musée parce que je souhaite y aller pour aller voir toutes ces choses-là. Et il était prévu qu'à un moment donné, je me retrouve avec entre les mains donc, le chapelet que Psicary portait sur lui lorsqu'il est mort. Donc autant vous dire, après tout ce que je vous ai dit de ce que je pense en bien de Psicary, que le jour où ça va arriver et que j'aurai ce chapelet entre les mains, bah, ça va me faire quelque chose. Bah, j'imagine, ouais. J'imagine, mais vous savez, c'est une bonne adresse hein, que vous nous donnez là. Je ne la connaissais pas à titre personnel. Oui. Rue Chaptal. Donc, il n'est pas exclu que j'y fasse un petit tour. Mais tout à fait possible. Peut-être que dans le climat actuel, il faut prévenir avant, mais c'est tout à fait possible de consulter les archives Psicary. Vous avez terminé, Jonathan ? Pour le semblerait que oui. Alors, Pierre Letiremont, est-ce que nous avons des questions ce soir ? Alors, nous avons les questions d'un certain Com, donc il fait un don, merci pour son don. Il demande beaucoup de questions sur des bouquins, qui demande aussi, faut-il parfois se couper totalement d'Internet ? Ça peut pas faire de mal, parfois, pour méditer tranquillement. Alors, il demande votre avis, si vous avez le temps, sur... quels sont vos livres favoris, premièrement, de Dostoïevski ? Si vous en avez. Le Joueur, moi, j'avais bien aimé Le Joueur, que ça m'a fait rigoler. Et puis, c'est un livre qui est facile à lire. Le Joueur de Dostoïevski, c'est facile comme entrée en matière. Alors après, il y a quand même la tuerie totale, c'est Crime et Châtiment. C'est drôle. C'est drôle. Bon, alors les noms sont absolument impossibles à retenir. Hein. Ouais, ça c'est le problème des romans russes. Razoumikine, je crois qu'il y en a un qui s'appelle comme ça. Mais c'est un chef-d'œuvre absolu. Après, bon, il y a les frères Karamazov. Mais les frères Karamazov, c'est très très dur de rentrer dedans. C'est très très long. Donc si vous commencez la littérature, bon, il ne faut pas commencer par les frères Karamazov, quoi. Hein. Mais comme entrée en matière, Dostoïevski, pour Dostoïevski, il y a Le Joueur qui est pas mal. Et je n'ai pas encore lu Les Possédés.
à vérifier, mais je crois que le joueur a été écrit en une nuit sur commande pour éponger des dettes, il me semble. Alors j'ai vu une pièce de théâtre de Dostoïevski. C'est l'histoire d'un bonhomme qui a un sosie. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça vous dit quelque chose, Jonathan ? C'est pas Jumeau avec Arnold Schwarzenegger ? Non. Alors je connais pas. C'était excellent. Donc je le recommande aussi. Quel est votre point de vue sur Dostoïevski ? En fait, j'ai la plupart des Dostoïevski chez moi en Pléiade en plus, mais j'ai pas encore mis le nez dedans pour une raison que vous avez dite juste avant. C'est que c'est généralement des très gros livres qui vont vous occuper un bon moment. Tout à fait, oui. Et j'ai tellement de choses à lire que je peux pas m'en. Enfin, que c'est difficile pour moi de partir dans une lecture qui va m'occuper trop longtemps. Sachant que moi, j'arrive pas à lire deux livres en parallèle, il faut que je me mette pleinement dans un livre. Et j'ai tellement de livres à lire que j'en ai trop à lire en fait. Donc, jour nous ferons une infidélité, nous ferons un rendez-vous de la littérature consacré à Dostoïevski. Mais bon, on va essayer de rester quand même centré sur la France. Ouais. Mais le grand classique, je pense que le grand classique, ouais, c'est Crime et Châtiment. Mais il y a d'autres bouquins de Dostoïevski que j'ai pas lu. Il y a L'Idiot, il y a Les Possédés. Et il faudra qu'un jour je les abatte. Voilà. Mais il semblerait que Les Possédés, qu'on appelle aussi Les Démons, il me semble, il semblerait vraiment de la vie de tout le monde que c'est un chef-d'œuvre. Ouais. Non, Dostoïevski, c'est exceptionnel. Hein. C'est absolument exceptionnel. La littérature russe est la seule qui rivalise, je dirais, dans son ensemble avec la littérature française, même si la littérature russe est médaille d'argent. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, monsieur Pierre? Oui, il y a des questions. Une question d'Olivier Moiric. Comment se procurer ou acheter L'Appel des Armes? Malheureusement, dans une édition récente, ça va être difficile. Probablement pas impossible si on le trouve sur Internet, mais sinon... chez les bouquinistes ou sur Internet, vous tapez sur n'importe quel site de livres d'occasion L'Appel des Armes. Et si vous avez le moral et que vous êtes capable de lire sur écran, vous le trouverez en PDF numérisé un peu partout, sur Gallica, sur archive.org. Donc on le trouve assez facilement. Quoi. Mais est-ce que je... Oui. Mais en, voilà. Vous c'est le trouverez pas à la FNAC. À rééditer. Oui, c'est un livre à rééditer. Alors, que pensez-vous, messieurs, de l'écrivain Lucien Rebatté et de Julius Evola? Alors, Evola, poubelle. Rebatté, en toute honnêteté intellectuelle, donc bon, c'est pas il n'avait pas notre idéologie. Moi, j'étais extrêmement déçu de son ouvrage qui s'appelle Les Décombres. Je pensais que ça serait une analyse profonde de la situation de l'époque, alors que c'est plutôt un règlement de compte. Et j'ai déjà lu donc, les deux étendards, mais c'était il y a très longtemps, je crois que c'était en 2008. Et à l'époque, j'avais été frappé par la beauté du style. Mais pour tout vous dire, Les Deux Étendards, bon, je me souviens que c'est une histoire d'amour, mais j'ai quasiment tout oublié, quoi. Donc, le souvenir que j'ai, c'était que le style était magnifique, quoi. Voilà. Et vous, Jonathan ? Bah, je crois qu'on avait déjà répondu à cette question. Donc, moi, c'est la même chose. Je connais pas suffisamment Rebatté. D'accord. Je sais que j'ai Les Décombres chez moi, que j'avais commencé à lire, mais pareil, c'est un sacré pavé. Qui a l'air d'être intéressant en tant que témoignage, même si c'est intéressant, oui, en tant que témoignage, même si c'est un témoignage très, très orienté, quoi. Oui, ça, c'est pas de le dire, oui. Merci Adrien Gallien pour son don. Alphonse Abdoul Khan, est-ce qu'Adrien compte faire une séance de dédicace à la librairie française pour son nouveau, pour son nouveau livre, pardon? Alors, c'est possible, mais est-ce que la loi le permettra? Ah. C'est pas sûr, hein. Enfin pas tout de suite en tout cas, si je le fais c'est pas tout de suite, mais si je peux le faire ça sera avec grand plaisir. Et Geoffroy Maric, Adrien compte-t-il faire des dédicaces en Belgique à la Foire du Livre par exemple? Écoutez, ça va être compliqué je pense, la parole est arrivée. Mais dans l'absolu je ne rejette pas le principe, voilà. Comme demande, conseillez-vous la lecture Les Origines de la France Contemporaine de Taine? Oui, bien sûr. À titre personnel je ne l'ai pas lu, en fait, j'en ai lu que des extraits. C'est exceptionnellement intéressant, effectivement. Il y a beaucoup de choses à. C'est une somme aussi, hein, Les Origines de la France Contemporaine. Mais oui, c'est intéressant. De toute façon, Taine est intéressant. Barrès, dont on a beaucoup parlé, était disciple de Taine pendant des années. Enfin, il l'a beaucoup aimé. D'ailleurs, dans Les Déracinés de Barrès, oui, à un moment donné, ils vont voir le vieux Taine. Non, Taine, c'est bien, vous pouvez y aller. C'est excellemment écrit, évidemment, parce que c'était à une époque où les gens savaient penser et savaient écrire en même temps, parce que c'est pas évident. Après tout, on peut savoir très bien penser, ouais, mais ne pas être un littéraire. On peut être un littéraire, mais n'avoir rien à dire. Bon, il s'avère que Taine appartient à cette catégorie de gens qui, en plus d'avoir des choses à dire, des analyses à fournir, à un style exceptionnel, c'est vraiment c'est bien.
certaines, c'est vraiment on peut y aller. Malheureusement, c'est encore des choses qui sont pas faciles à trouver et qu'on trouve évidemment, mais c'est voilà, c'est encore pas la Fnac que vous trouverez. Hippolyte de son prénom, je crois. Mmh. Oui, c'est cela, Hippolyte. Un prénom qui fleure la France d'antan, quoi. Ouais, ouais, ouais. Léo Bourdon vous demande vos trois Jules Verne préférés. Voilà. Alors, bah écoutez, moi j'avais lu, j'avais fait la découverte de Face au drapeau là il y a quelques mois. Je vous en avais parlé. C'était vraiment un coup de cœur. C'est un petit Jules Verne sympatoche. Qu'est-ce que je pourrais citer? Ouais, De la Terre à la Lune. Bon, bah, il y avait Voyage au centre de la Terre. C'est ce qui me vient en tête là tout de suite. Et vous-même, Jonathan? Alors, moi, il y en a un dont je ne sais plus si on en avait parlé dans l'épisode qu'on avait consacré à Verne, mais qui s'appelle Le Château des Carpates. Qui était oui, Le Château des Carpates. Oui, on en avait parlé, tout à fait. Tout à fait. Sinon, oui, sans aucune originalité, j'aime énormément Le Tour du Monde en 80 jours, et j'aime énormément Le Voyage au centre de la Terre, qui c'est vraiment pas très original, parce que ce sont, je pense, les plus connus et les plus lus. Bah, c'est plus lu, mais pas tant que ça, hein, cher ami. Hein. Il faut ouais, toujours faire la promotion. Lu, mais ouais, où j'aime aussi Le Rayon Vert, dont j'avais parlé aussi, etc. Après, c'est une œuvre colossale aussi, Jules Verne. Et il faut que je m'y remette. J'ai été très déçu, là. J'ai lu un Jules Verne pendant le confinement qui m'a pas mal déçu. C'était sud contre, nord contre sud. Voilà, franchement, j'ai trouvé que c'est un peu trop politiquement correct et convenu. Voilà, c'était pas le Jules Verne au sommet de sa forme, on va dire. Mm-hmm. Voilà. En même temps, il a tellement écrit. Vous savez aussi que Jules Verne, pendant très longtemps, a été cadenassé, entre guillemets, par son éditeur. Il lui arrivait de fournir des manuscrits, son éditeur Herzl disait non, ça c'est pas bon, faut refaire, etc. Et comme il n'avait pas trop la possibilité de discuter quand il n'était pas encore très connu, bah, il obéissait. Donc en fait, il y a des romans de Jules Verne parmi les premiers qui sont quasiment des romans à quatre mains, quoi. Et de toute façon, cher Jonathan, nous referons des émissions sur Jules Verne. C'est pas parce qu'on a fait une émission sur un auteur que nous n'en ferons plus, parce qu'il faut faire d'autres émissions sur Bernanos. Parce qu'il y a beaucoup de romans de Bernanos qui, moi, m'ont marqué profondément et dont on n'a pas encore parlé. On va refaire une émission sur Barrès. On fera bientôt, je pense, une émission sur Balzac, mais Balzac, on ne fera pas une seule émission, à mon avis, hein, parce que c'est tellement énorme comme œuvre. Oui. Mais on refera des émissions aussi sur Gaston Leroux, si vous le voulez bien, Jonathan, si ça vous branche, n'est-ce pas? Oui. Voilà, il y a beaucoup de travail, quoi. Beaucoup de pain sur la planche. Alors, merci. Enfin, nous referons, si la loi le permet, hein. Ouais. Si oui. La loi le permet. Merci à Juju06 pour son don. Louise de L demande Adrien et Jonathan, combien lisez-vous de livres par semaine? Ça dépend. À ma grande époque, je lisais entre 100 et 200 livres par an. Et depuis 2-3 ans, en fait, je lis moins de livres parce que je relis beaucoup d'autres livres et parce que aussi je lis beaucoup d'ouvrages pour la documentation de mes propres livres, en fait. Voilà. Donc, en termes de quantité, je lis moins, mais je lis quand même quelques dizaines de bouquins par an. Mais j'ai baissé mon chiffre de lecture, car je relis. Je suis contraint de relire. Et parce que, actuellement, par exemple, je suis en train de relire le traité du Saint-Esprit de Mgr Goom. La première fois que je l'avais lu, je n'étais pas encore catholique. Et par la suite, je n'en lisais que des extraits. Et bien là, j'ai repris la lecture et je le lis de bout en bout et c'est absolument lumineux, quoi. Donc voilà, je relis. Voilà. Et vous, Jonathan? Bah, en moyenne, parce qu'on ne peut faire qu'une moyenne, parce que ça dépend de ce qu'on lit. Hein. C'est sûr que si je me mets à lire un très gros livre, ça va prendre plus de temps. Là, en ce moment, je me suis lancé dans les Maigret de Simenon. Donc ça se lit très vite. C'est pas des gros romans, donc on peut en lire 4-5 par semaine. Sinon, quand ce sont des livres habituels, on est plutôt aux alentours de 3 par semaine. Sauf si évidemment il y a un gros pavé qui s'est glissé dans l'eau, qui va être beaucoup plus long à lire quand même, quoi. Et il y a des livres aussi. La littérature, ça se lit. Ça dépend de la littérature. Par exemple, lire Maigret de Simenon, ça va très vite parce que de toute façon, c'est pas un objet littéraire de très très haute qualité. C'est pas le but de Simenon, pas l'intérêt de cette lecture. Quand on lit Balzac, par exemple. Il est hors de question de survoler Balzac, quoi. C'est tellement beau, chaque mot est tellement bien à sa place, chaque phrase est tellement parfaite que pour savourer cette lecture, il faut prendre le temps de le lire, quoi. Donc on peut lire vite un Simenon, mais il serait criminel de lire trop vite un Balzac. Donc si par exemple je lis un Balzac, je vais prendre vraiment le temps pour le savourer, en fait. C'est comme un très bon dessert, vous n'allez pas l'engloutir en une seconde, il n'y a pas de plaisir, en fait. Donc
Vous le mangez par petite. Voilà, en fait, c'était ça ma réponse. Une question de Rachid Bergoglio. Que pensez-vous de Diono et surtout du hussard sur le toit en cette période de quarantaine ? Alors, la littérature est affaire de subjectivité. Donc, Jean Giono, je dois avouer que alors, je l'ai relu récemment, enfin récemment, non, il y a quelques années. Parce qu'en fait, quand j'étais au lycée, à l'époque, je ne lisais pas beaucoup de littérature, j'avais été traumatisé par Le hussard sur le toit. Mais j'avais relu d'autres Giono qui n'étaient pas Le hussard sur le toit, parce que Giono, il est lié à une partie du sud de la France qui m'est chère. Mais je dois avouer que je n'ai pas accroché. Voilà. Alors, ce n'était pas Le hussard sur le toit que j'avais lu à l'époque, quand j'ai repris la lecture de cet auteur-là. Mais je n'ai pas accroché, mais ça, je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis juste que ma subjectivité n'a pas accroché. Voilà. Mais ça n'engage vraiment que ma subjectivité. Et vous, Jonathan ? Non, je ne connais pas du tout assez pour m'exprimer sur Giono. Pas encore. Alors, Larsan Balmeyer, que pensez-vous des hauts du Hurlevent ? Des quoi, des ? Les hauts du Hurlevent. Ah, je ne connais pas ça. Inconnu. Enfin, inconnu, j'ai pas lu. Je ne connais pas. Mais bon, très bon pseudo. Monsieur est un vrai. Monsieur est un vrai. Fourquet Duplessis, que pensent messieurs Abosy et Sturel, de la littérature française du XVIIe siècle ? Je la connais pas très bien, moi, donc je ne vais pas me prononcer. La littérature du, j'ai pas entendu la fin. XVIIe siècle. Oui, c'est vrai qu'il en existe une qui est quand même particulière pour les lecteurs d'aujourd'hui, c'est que c'était encore un temps où les gens écrivaient vraiment à l'ancienne, en fait. Et c'était pas la forme romanesque d'aujourd'hui. Le roman tel qu'on le connaît aujourd'hui a vraiment commencé à se populariser, à être écrit. C'est la génération Balzac, en fait. Balzac est l'un de ceux, c'est pas l'inventeur du roman, mais il est l'un de ceux qui vont populariser le roman. Quand vous lisez le XVIIe siècle, c'est une lecture quand même beaucoup plus difficile à aborder quand on n'est pas préparé, quand on n'est pas préparé au style de l'époque. Après, vous avez la possibilité, comme ça se fait par exemple avec les textes du XVIe siècle, de lire des versions, comment on les appelle, les versions modernisées. Par exemple, vous pouvez lire les essais de Montaigne dans la langue de Montaigne, mais il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas comprendre. Il y a des versions modernisées, où on a modernisé l'orthographe et la syntaxe, etc. Donc c'est plus tout à fait le texte dans son jus, mais qui vous permet de vous en rapprocher. Donc voilà, on commence à être dans des époques où il faut choisir entre le texte dans son jus, mais qui ne va pas être toujours accessible, et des textes modernisés. Donc je pense que la littérature, ça commence à devenir vraiment intéressant plutôt au 18e. Avec Voltaire et Rousseau, par exemple. On peut pas nier que c'était non, des ils avaient beaucoup de défauts, mais on va pas dire qu'ils écrivaient mal. On est intellectuellement honnête. Voilà. C'est dommage d'ailleurs qu'ils aient pas mal écrit. C'est dommage. Si vous voulez, ouais, le 18e siècle, c'est un temps, un moment pivot un petit peu où on commence à prendre très au sérieux le fait de vouloir écrire de manière accessible et tout en restant très belle. Oui, encore des questions, Adrien. De Alphonse Abdoulkan, encore. Il y a de sacrés pseudos ce soir. Quelle critique pouvez-vous faire de La recherche du temps perdu que je suis en train de lire ? Ah non, mais attendez, Proust, il faut toute une émission pour Proust. Hein. Alors, oui. je vais résumer très rapidement. Donc, style absolument exceptionnel, mais au niveau de l'action, si vous cherchez de l'action, c'est pas cette série de livres qu'il faut lire, quoi. Il faut passer à autre chose. Il y a une autre critique aussi qu'on peut faire avec Proust aussi, c'est que parfois, alors c'est pas de la promotion, mais bon, il y a une évocation des mœurs contre nature qui est selon moi hautement dispensable. Voilà. Okay. Mon cher Jonathan, sur Proust, rapidement. Oui, bah Proust, je pense que Proust, la plume de Proust, c'est la langue française à un état qu'on pourrait qualifier de chimiquement pur. Moi, je suis parti de. J'avais pris pour habitude d'avoir ce mot que je réservais à Balzac et à Proust, alors que pourtant, ils n'écrivent pas de la même manière. Où ces deux auteurs en particulier n'écrivent pas en français, ils écrivent le français. Tellement ils ont poussé la langue française à un niveau d'excellence stylistique que, honnêtement, effectivement, c'est pas très aventureux, les textes de Proust, mais c'est tellement bien écrit, en fait. Vous êtes sur une barque, sur un fleuve, vous êtes emporté, en fait, par la plume de Proust.
avec des phrases très longues. Vous ne savez jamais où est-ce que cette phrase va vous emmener, mais vous la suivez parce que c'est tellement bien écrit. Et quelque chose qu'on appelle l'euphonie en littérature, où vraiment chez Proust, c'est ce que je disais tout à l'heure avec, je ne sais plus de qui je disais ça, mais en fait, chaque mot a été pesé, comparé à d'autres, etc. Donc en fait, chaque phrase de Proust, c'est une œuvre d'art en elle-même, d'un point de vue de l'euphonie, d'un point de vue de la pure rythmique stylistique. En fait. Donc, au niveau Proust, du style, c'est ahurissant. C'est gigantesque, en fait. Et la petite blague que je fais, moi, des fois en privé, c'est que le plus grand écrivain de tous les temps, c'est Marcel Leblanc, et non pas Maurice Leblanc. C'est-à-dire que c'est une... je dirais, la rencontre entre Proust et Maurice Leblanc. C'est-à-dire Maurice Leblanc pour l'action, oui. Vous voyez, pour le scénario, si je puis dire, et Proust pour le style. Et si un jour il y avait un auteur qui réussissait à avoir le style de Proust plus les histoires de Maurice Leblanc, mmh. Alors là, ça serait la 9e symphonie, quoi, vous voyez. Ce serait étonnant, en tout cas. Ouais, ce serait absolument exceptionnel. Ce serait vraiment la rencontre. Avis aux amateurs, si c'est le cas, envoyez vos manuscrits aux éditions Altitude, on est intéressé. Voilà. Et ce qui est très fort chez Proust, au-delà du fait que, comme je disais, il a le style français à son paroxysme, c'est la constance, en fait. C'est qu'il a énormément écrit. Enfin, la totalité de La Recherche du Temps Perdu, c'est énorme, hein, c'est des milliers de pages. Mais il y a une constance dans la pureté du style. On peut même pas dire que oui, il y a un texte qui est bien écrit parce que ce jour-là il était inspiré. Sinon le reste ça vaut le pas haut. Non, c'est que en fait tout d'un bout à l'autre, il y avait cette recherche de l'absolu littéraire. C'était vraiment Proust. C'était le modèle de l'écrivain, c'est-à-dire totalement dévoué à la cause littéraire, à écrire le mieux possible. Et la vraie casserole de Proust, hein, c'est les mœurs contre nature qu'il évoque dans ses livres. Mais voilà, il avait une bonne formule, Proust, il disait qu'il lisait l'Action française pour prendre, je cite, « une cure d'altitude mentale ». J'aime bien cette formule. Peut-être que ça a d'ailleurs inspiré le nom d'une certaine maison d'édition, allez savoir. Et d'ailleurs, on peut considérer que Proust fait partie des gens qui sont extrêmement important dans l'héritage culturel français, puisque par définition, ils ont pris l'un des éléments de notre culture, qui est la langue française, et ils l'ont porté à son paroxysme. Donc c'est un contributeur du rayonnement de la culture française, de la langue française. Ce n'est pas juste un écrivain, c'est quelque chose. De toute façon, Proust, c'est énorme. Et Léon Daudet, d'ailleurs, a des belles pages sur son amitié avec Proust. Parce que Léon Daudet et Proust étaient amis. Ouais, et ce qui n'allait pas de soi sur le CV quand on comparait les CV respectifs. Et Proust était également ami avec un fils d'Audet, mais ami très proche, quoi. Ouais. Alors ça, par contre, là, on n'est pas bergolien, nous, de ce point de vue-là, vous voyez. On n'est pas très bergolien. Voilà. Merci à Mod M pour son don. Une opinion sur les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand. Comptez-vous faire une émission sur lui? J'ai lu que des extraits des mémoires d'outre-tombe. Il y a un extrait extrêmement célèbre où c'est donc Chateaubriand qui raconte, parce qu'il le voit donc en tant que témoin, donc il décrit l'image de Fouché et de Talleyrand qui se rendent dans le bureau de Louis XVIII. Et la formule exacte, c'était le vice... je ne l'ai plus. Je vous la reciterai la prochaine fois, mais elle est exceptionnelle, cette formule, quoi. Oui, il disait le vice au bras de... Oui, c'est ça, c'était, ouais, quelque chose comme ça, c'était... Ouais. Bah, pareil, hein, c'est pas pareil. Chateaubriand, c'est un monument aussi, c'est incontournable, c'est gigantesque. Et pour vous dire à quel point Chateaubriand a marqué son temps et marqué son époque en tant qu'écrivain, il y avait un jeune écrivain, un écrivain très connu maintenant, mais à l'époque où il était jeune et qu'il voulait se lancer en littérature, il voulait se faire connaître en littérature et être une gloire littéraire, il a dit « Moi, je veux être Chateaubriand ou rien ». Et c'était Victor Hugo. Donc quand quelqu'un qui est devenu Victor Hugo prenait pour modèle de réussite littéraire Chateaubriand, ça vous en dit quand même un peu long sur qui pèse dans le game, quoi. Ouais, tout à fait. Surtout que, bon, faire des compliments, c'était pas forcément le genre de Victor Hugo, quoi. Enfin, bref. Mais oui, évidemment, je pense que, si vous voulez, il y a beaucoup d'écrivains depuis des siècles, mais par siècle, il y a deux, trois noms qui se détachent, quoi. Et au XXe siècle, il y a évidemment le nom de Proust qui se détache, mais dans le siècle de... Le siècle de Chateaubriand est assez nourri d'un point de vue littéraire, et c'est comme toutes les grandes gloires, beaucoup des grandes gloires qui sont dans ce siècle-ci, mais enfin,
Chateaubriand fait partie des quelques noms qui se sont détachés dans son siècle, qui était pourtant le siècle littéraire par excellence. Ah ouais, le 19e, c'est incroyable. C'est incroyable, la pluie d'auteurs, c'est vraiment... Parce que être un grand écrivain qui marque son époque, c'est en 2020, par exemple, c'est pas une performance terrible, dans le sens où la concurrence n'est pas rude. Mais être une gloire littéraire au 19e siècle, quand on voit la concurrence, là, on a envie de se dire, il y a du niveau, quoi. On n'est pas en train de vous parler de Houellebecq, là, hein, chers auditeurs de Radio Athéna. Ouais, on n'est pas en train de parler de Houellebecq. Est-ce qu'il y a d'autres... Mais Chateaubriand, oui. Bah, à ce propos, Haricot Vert demande si vous lisez de la littérature contemporaine. Bah, pourquoi je le ferais, monsieur Pierre Etirement Des perles à trouver. Bah, donnez-moi les noms. Donnez-moi les noms de ces chefs-d'œuvre à côté desquels nous sommes tous passés. Moi, oui, je l'ai confessé là. Enfin, c'est pas les contemporains si l'on veut. C'est assez récent, quoi, ces aventures de Maigret par Simenon. Ah non, mais Simenon, oui, non, mais c'est pas ce qu'on sous-entend à la question, Jonathan. Des gens encore vivants de notre époque, bah, qu'on voit dans les médias aujourd'hui. Qui sont encore à l'affiche, quoi. C'est ça l'idée, je pense, de la question. Bah, ouais, moi j'en ai un. Ouais, dis-moi. Mais que j'ai lu il y a quelques années, que je ne lis plus maintenant, mais qui s'appelait Eric Emmanuel Schmitt. Ah oui, vous m'en avez parlé, oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Donc il est toujours vivant. Et puis je sais plus ce qu'il fait depuis quelques années, mais oui, j'avais pris plaisir à lire La secte des égoïstes, La part de l'autre, Lorsque j'étais une œuvre d'art, même Odette tout le monde, ce sont des nouvelles. C'était pas mal. Pas mal. Ceci après, dit, peut-être que Jonathan Sturel va envoyer du lourd en la matière dans quelques temps, on ne sait pas. Hein. Faut pas l'exclure. Moi, je veux être Pierre. Non, Eric Emmanuel Schmitt ou rien. Oui, voilà. Non, mais vous le dépasserez nettement avec un peu de chance. Avec un peu de chance. Bah, si je le dois à la chance, j'aurais pas beaucoup de mérite. Ouais, non, mais c'est le travail. Hein. Sans le travail, on n'arrive à rien. Moi, j'ai pour habitude de dire que le talent n'existe pas, vous voyez, qu'il n'y a que le travail et les grâces qui permettent d'avancer vraiment. Sinon, oui, je dis des choses assez contemporaines. Enfin, c'est de la science-fiction américaine. Philippe K. Dick. Je vais vous dire, quand je révisais le barreau, j'allais dans les bibliothèques municipales et j'en profitais pour lire un maximum de livres et pour en prendre un maximum. Et donc, je donnais leur chance aux écrivains contemporains. Oui. Les Philippe Besson. Alors, il y en a un qui a un nom très proche de Philippe Besson dont j'ai oublié le nom. Non, c'est même pas Tesson, c'est encore un autre. Mais c'est peut-être Bresson d'ailleurs, je sais plus. Qu'est-ce qu'il y a Les Régis Geoffrey, les Beck BD, les Philippe. J'ai vraiment essayé de les lire, ces auteurs-là. Et objectivement, mais c'est nul, quoi. Il n'y a pas de style, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de profondeur. Ouais. Je vois pas l'intérêt de lire ça, en fait. Je vois pas l'intérêt. C'est comme de la nourriture, je dirais, sans vitamines dedans, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai vraiment essayé de lire ces auteurs-là. Ça m'est tombé des mains. À chaque fois, ça m'est tombé des mains. Voilà. Je partais à la recherche du style et je le trouvais pas, quoi. Voilà. Bien entendu. On vous demande aussi si vous comptez faire une émission sur la poésie. Je suis pas spécialiste en la matière, donc voilà. Jonathan Sturel, peut-être. Pas spécialiste en la matière. Pas pour tout de suite alors. D'ailleurs, pour dire les choses très franchement, 99% de la poésie, même celle qui est réputée comme étant la meilleure, me tombe des mains en fait. Ouais, je comprends. Bah, c'est un style que j'affectionne pas. Disons que c'est une question de subjectivité, tout simplement. Ouais, en fait, bah, oui. En fait, si vous voulez. Bah, ça mériterait des développements très longs, mais il y en a quelques-uns que j'apprécie, dont j'apprécie. En fait, faut s'entendre. Il y en a dont j'apprécie évidemment la qualité, dont il est évident que ça a été écrit correctement par des gens qui savaient le faire, mais j'arrive pas à trouver. C'est comme une très belle mélodie, une très belle musique, même classique, etc. Je sais que ça a été fait par des gens qui savent faire, je sais que c'est par ceux qui sont des spécialistes. Il est coutumier de dire que c'est très bien fait. Mais j'arrive pas à accrocher, on peut pas tout accrocher à tout, mais il y a quelques exceptions. C'est une affaire de subjectivité. Encore une fois, pas très original, c'est Baudelaire en fait, j'aime bien Baudelaire. Mais Peggy avait quelques bons poèmes aussi. Hein. Oui, Peggy faisait aussi de l'écriture en prose, mais également de l'écriture, on va dire, versifiée, en tout cas plus poétique. Mais il y a moyen de faire de belles choses. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a encore des questions, Pierre-Tiremont ? Non, c'est tout. Alors, on va quand même rappeler aux auditeurs que Jonathan Sturel est l'auteur d'un ouvrage sur le coronavirus, n'est-ce pas, cher ami ? Oui, tout à fait.
aux éditions Altitude d'ailleurs. Donc, ma foi, si vous voulez découvrir la plume sturellienne, eh bien, n'hésitez pas. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à son ouvrage, tout simplement. Voilà. Oui. Ça fait pas de mal, un peu de promo, Jonathan. Non, ça fait pas de mal. Est-ce que vous pouvez mettre un lien, monsieur Pierre Sermon, qui mènera au livre de Jonathan Sturel, éventuellement? Évidemment. D'ailleurs, bon, bah écoutez, on craignait à l'époque, enfin, c'est pas qu'on craignait, mais c'est qu'on se demandait combien de temps le coronavirus allait rester dans l'actualité. Alors là, on a explosé, je dirais, nos attentes terrain, quoi. Et ça va durer encore longtemps. Bah oui, apparemment, là, ils se sont motivés, les gars, en face. Hein. Ils sont motivés, mais ils vont le payer. Je pense qu'ils vont payer la facture tôt ou tard. Bref. Honnêtement, vous savez, autant on pouvait... En fait, reconfiner et repartir dans ce délire, moi, je les soupçonne de faire ça pour plusieurs raisons, dont une qui est de retarder le moment de l'après-crise, j'en ai déjà parlé 32 fois, mais c'est probablement là qu'ils sont en train de mettre le dernier clou à leur cercueil, parce qu'à la limite, on aurait pu leur pardonner le premier confinement et l'impréparation, tellement ce qui arrivait était unique, oui, mais voilà. Inédit. Mais là, le deuxième épisode déjà, et rebelote, on recommence, et on n'a toujours pas assez de lits d'hôpital, alors que c'est le deuxième épisode, là, ça va quand même être un petit peu plus difficile à avaler. C'est d'autant plus difficile à avaler qu'il y a une augmentation des morts en ce moment qu'il faut reconnaître, mais qui n'est pas himalayenne, si je puis dire. Voilà. Oui, ça. Donc, on a du mal à comprendre. Il y a quand même une sorte de disproportion. Et j'y reviens, mais cette idée selon laquelle il faut empêcher les gens de vivre pour en sauver d'autres, c'est obscène. C'est absolument obscène. Voilà. Si on veut sauver les personnes âgées, il y a d'autres méthodes. Si notamment, vous voulez, si vous... Oui, oui, pardon. Allez-y. Non, allez-y. Si vous voulez mon avis, en fait, moi, si vous voulez, dans le premier épisode, on va appeler ça comme ça, l'une des choses qui, sur le moment, ne m'avait pas spécialement interpellé, parce que je vous dis, on avait la tête dans le guidon, on ne savait pas trop où on en était, mais avec le recul, on m'entend là ? Oui, tout à fait. Ah ouais, avec le recul, on se rend compte que c'était une aberration totale, et je pense que l'une des pires aberrations à laquelle nous avons assisté pendant le premier épisode, c'était la construction en Alsace d'un hôpital de campagne. Et quand j'y repense, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de monter un hôpital de campagne, alors que la solution la plus pratique pour se rapprocher de ce qu'est à peu près un hôpital, c'est de réquisitionner un hôtel et de le médicaliser. Alors, ce ne sera pas aussi bien qu'un hôpital à proprement parler, mais ce sera mieux qu'un hôpital de campagne. Hein. L'équipement médical qu'on va mettre dans un hôpital de campagne, qui est en fait des toiles de tente, on le met dans un hôtel qu'on a réquisitionné. Et s'il n'y a pas assez de place dans les hôpitaux, c'est manifestement le cas, ce qu'il faut faire, c'est réquisitionner des hôtels et les médicaliser un minimum pour y mettre les patients. Le groupe Accor s'était proposé quasiment pour faire ça, hein. Bah, à la limite, j'ai entendu là l'interview il y a quelques jours d'un des responsables du groupe Accor là, sur France Intox, et c'est ce qu'il disait. Hein. Il s'est dit, nous, on avait proposé ça, mais ça n'a pas intéressé d'une part les gens, d'autre part les pouvoirs publics. Dommage. Bah, bien sûr. Et puis, à la limite, quand bien même personne n'aurait proposé, l'État a beaucoup d'argent, et on peut le constater en ce moment, qu'il promet d'en déverser des milliards partout, d'aller vers un groupe hôtelier et dire, bon, bah voilà, tant de chambres fois tant de nuits, bah, on vous les loue, puis terminé, quoi. Ouais. Parce qu'en plus, l'État a l'habitude de louer des chambres pour les migrants. Hein, mais bien sûr, voilà, quand même, exactement, hein. Exactement. On réquisitionne des hôtels pour loger les migrants. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas pour loger les papys qu'on va plus pouvoir mettre à l'hôpital, bordel ? Question, Macron avait arrêté l'immigration, avait fermé les frontières. Est-ce qu'on sait si l'immigration est repartie ou pas ? Ça, c'est un truc à creuser. Hein. Est-ce que Macron a réouvert les frontières ? Parce que si on réouvre les frontières, par définition, le circuit va beaucoup plus circuler, hein. Bon. Bah, moi, honnêtement, aux dernières nouvelles, je pense que toutes les frontières sont ouvertes comme avant. Hein. Écoutez, moi, je sais pas, j'ai pas suivi d'un point de vue administratif, je dirais, cette chose-là. Mais voilà, nous vivons des moments curieux, on va dire ça comme ça. Hein. En tout cas, si reconfinement il doit y avoir, et manifestement, c'est vers ça qu'on se dirige. Bah, oui, tout à fait. Honnêtement, hein, c'est pas pour être pessimiste, etc. En fonction de la durée de ce confinement, mais ça sera forcément plusieurs semaines minimum, je vois vraiment pas comment on va s'en remettre. Je vois pas. Économiquement, avec les grâces de Dieu, avec la force potentielle de la nouvelle opinion publique qui peut avoir apporté sa petite pierre à l'édifice. Et puis, comme l'une des grandes leçons du coronavirus, c'est qu'il reste des gens bien dans les hautes instances. Il y a des Raoult, il y a des Toussaint, il y a des Perron, il y a des Toubiana qui ont tous fait preuve de courage. Oui. C'est un peu les poilus du coronavirus, hein, on va dire ça comme ça.
Voilà, c'est ça aussi qu'il faut retenir. Hein. Ce sont des gens très courageux et il faut les soutenir. Voilà. Bah, même beaucoup plus courageux qu'on ne le pense, parce qu'effectivement, ils jouent gros. Toubiana disait la dernière fois qu'il subissait des pressions, qu'il recevait des menaces, y compris des menaces de mort complètement délirantes. On sait Toubiana qui a l'INSERM en plus. Hein, donc, bon. Là, c'est... Honnêtement, moi, je suis assez pessimiste hein, sur la suite des événements. Là. Je vais vous dire, comme je l'ai dit dans ma petite intro... c'est un tir de fusil à un coup. Là, je crois que le système se rend pas compte de ce qu'il fait, à mon avis. À mon avis. Hein. Mais même d'un point de vue strictement démocratique, LOL, on va dire plutôt électoral, il joue gros hein, en face. Hein, parce que avec ça, ouais. Marine Le Pen peut passer. Hein. Ouais. Elle peut passer. Hein. Donc, moi, j'ai aucune affection particulière pour elle. Vous connaissez mon appréciation du personnage. Dont je parle un petit peu dans mon prochain livre d'ailleurs, elle peut passer, hein, Marine Le Pen. Hein. Là, les gars, mais on est vraiment dans le quinquennat de la folie pure. Quoi. Oui, je pense. Franchement, hein, moi, quand je voyais déjà le couple Macron, je me disais, si les Français ont validé ça, il y a un gros souci. Il y a vraiment un gros souci. Et en fait, le quinquennat est à l'image de ça. Moi, je me rappelle, le soir du premier tour... Quand je voyais la foule qui hurlait « Brigitte, 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 Brigitte », je me suis dit « on va aller très loin, là. Mmh. On va aller très, très loin dans ce quinquennat. » Oui, on n'est pas déçus, en l'occurrence. C'est vrai que c'est vraiment le quinquennat hallucinant, par excellence. En fait. La gauche est une maladie mentale, c'est ça la morale de l'histoire. Il n'y a pas que la gauche, hein, d'ailleurs, mais bon. Voilà. Donc, si la Providence le veut, le bouquin sortira bientôt. Est-ce qu'il y a d'ultimes questions, Pierre Tirmont ? Rien de notable. Bah écoutez, donc je rappelle donc que Jonathan Sturel est l'auteur d'un ouvrage sur le coronavirus, autopsie d'une débâcle, c'est ça mon cher Jonathan ? D'un désastre politique, autant pour moi. Je me trompe tout le temps, de toute façon, donc c'est comme ça. Vous pouvez mettre le lien, monsieur Pierre Tirmont ? Il est mis. Oh, il est parfait, ce Pierre Tirmont. Voilà, donc bah écoutez, je sais pas quand est-ce que je pourrais revenir ici. Hein. ouais, c'est vrai. Je sais pas. Voilà. Donc j'espère le plus tôt possible, mais bon, on verra. J'espère pouvoir revenir faire une émission sur Marthe Robin, qui est une tartufferie conciliaire, enfin, c'est une farce, c'est un canular conciliaire dont il faudra reparler. Et voilà, bon, mon cher Jonathan, est-ce que vous avez un mot ultime ? Non. Non, bah, vous n'êtes pas obligé d'en avoir, il n'y a pas de problème. Non, non. Bon, bah écoutez, donc je salue tous les auditeurs de Radio Athéna, et puis bah écoutez, on se dit à je ne sais pas quand. Voilà. Allez, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Au revoir.